Parce que TikTok va me bloquer certains mots, l'audio. Même les C'est témoignages. Voilà une dame qui pourquoi. a... Là, vas-y, parle l'histoire de 5 mois de cela, 6 mois de cela. Maman, raconte. Oui, c'est passé sur Facebook. Il a eu une altercation avec une de ses voisines là, une dame, dont où il a dragué, je ne sais pas trop. La femme lui a fait la blague sur une Rien n'est bière et différent, tout. Kev. Il a Une bastonné force, cette la dame. douleur, c'est la douleur. Une douleur est égale à une autre douleur. Ce que tu fais subir aux gens comme douleur, quand on te fait aussi, il faut supporter. Vas-y, d'abord, je le mute celui-là parce que je comprends qu'il m'embête. Vas-y, parle, maman. Oui, parce que la maman là, elle est venue témoigner, c'est passé là. Et c'est passé sous silence, hein. Oui, parce qu'au Cameroun, on choisit les sujets qui veulent être pertinents parce qu'il faut tout politiser, comme j'étais en train de dire. Merci, c'est la Lorsque politique. la Parce que dame. si c'était Bruno Bédian, on n'allait pas prendre ça comme ça. Oui. La femme là qui est là-bas chez Mate Chopa. Non, je ne sais pas trop, mais elle est passée sur... Elle était sur tous les réseaux, hein. Je crois qu'il y a peut-être, sans me tromper, 5-6 mois, parce que c'est une histoire qui date de 2024. Elle a dit que quoi? La dame? Reine? Oui, maman, il y avait eu quoi? Ah, excusez-moi, hein, pardon, c'était encore... Il avait tapé la maman, là, c'est une dame de son quartier, c'est même sa voisine. Il draguait la dame, quelque chose comme ça. Il draguait la dame. Et puis, la dame, elle a. Où elle lui a demandé la bière, où elle lui a. Où elle lui a fait. En fait, elle doit lui avoir fait une blague, je ne sais pas trop. Il lui a ouvert l'œil. Il a tapé la femme jusqu'à. Il a ouvert l'œil de la maman. Personne n'a parlé de cette histoire. C'est resté calme. Personne ne s'est indigné parce que nous choisissons les combats que nous menons. Et c'est ça qui me fait mal. Nous choisissons les combats que nous menons. Je Cette n'ai pas dame a partagé été... ça. Non, 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 non. Non, non. Je ne sais pas, peut-être que je lui ai partagé, mais j'ai aussi vu ça sur Facebook. Oui. Nous choisissons les combats que nous menons et c'est injuste parce qu'aujourd'hui, il s'agit de, c'est pas, excusez-moi un peu, allez, je suis un peu énervée. On sait que c'est, oui, on tamise ce qui nous convient. C'est pas joli. C'est pas joli. On ne peut pas choisir certains combats parce que, ok, comme aujourd'hui, c'est politique et la pseudo-politique même que nous faisons. Aujourd'hui, si on met Longuet, maire de son village, mais il va finir avec le zout de toutes les filles du village, Mais c'est en ça qui ignore vérité. ça. Les gens qui viennent dire que ce n'est pas la même chose, c'est la même chose. Quand vous Oui. traumatisez les enfants d'autrui, on vous traumatise à votre tour. C'est juste pour que tu ressens ce que ça fait aux enfants des gens. Dieu nous a sauvés. Moi, allez vous fâcher. J'ai dit, Dieu a aidé les mamans là. Tu prends, il a bastonné la dame là correctement. Je dis, personne n'a parlé de ça. On ne s'est passé comme une publication dans une autre comme ça. Non, non, non. Non, non. Nous, oh, si on se bat vraiment pour un Cameroun meilleur, si on se bat pour tous les Camerounais, alors menons les combats avec tous ceux qui font du mal, en commençant par lui-même aussi. Si lui-même là, si l'État détestait le monsieur là même depuis, il allait être en prison depuis. Tu ne peux pas t'asseoir sur les réseaux sociaux, te vanter de faire les tousspas avec les petites gamines qui t'appellent tonton. Disons-nous la Comment? vérité. C'est Où ça, sont nos... Bella. Bella dit la vérité, ce n'est même pas comparable à la Nias Forcée. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui viennent en cabinet? Il y a les dames que vous voyez. Tu vois une dame, elle est même mariée et tout. Elle n'arrive même pas, excusez-moi pour les expressions, elle n'arrive même pas à mouiller avec son mari parce qu'elle a été victime d'un viol quand elle était petite. Ma pardon, Nias forcé, ouais. Nias Forcée, pardon. Oui. Elle était victime des Nias Forcées quand elle était Mouna, simplement parce que. Et maintenant, elle est mariée même. Elle est dans la piole avec son mari. Mais ça ne donne pas. Vous entrez dans le bureau d'une dame comme ça, là, les nerfs, trop les nerfs. Seulement parce que dans son passé, il y a eu ce genre de choses dans sa vie. Mais vous me dites quoi? On doit laisser. Lui, au moins, il a connu ça tard. Peut-être qu'il va arrêter de faire ce qu'il fait aux enfants des gens là. Merde. Comment? Tu C'est vois parce une que les petite Camerounais, fille? les filles camerounaises, là, elles ont peur de témoigner parce qu'elles savent que ça va seulement se les exposer, ça va aboutir à rien. Mais sinon, il y a Exactement. des témoignages, hein.
La dame là-même, je te dis que c'était dans son quartier. Ah, maman, c'est passé là-bas dans les télés de Facebook, peut-être même chez lui. Aujourd'hui, nous tous, on a envie de développer les demi-périmètres des pseudo-pitchés et des pseudo-larmes. Ça, c'est sûrement un homme qui a écrit ça. Ben oui! Je vous dis la vérité. Il faut bien savoir que là, on parle de ça parce que il y a les gens de l'autre côté qui disent que parce qu'ils défendaient leur cause. Mais regardez aussi le côté ingrat. Oh. Oui, c'est ça que moi, c'est parce qu'ils réclamaient leur cause. C'est pour ça que c'est devenu viral. Mais sinon, en leur âme et conscience, ils savent très bien les frasques de ce monsieur-là. Ils s'en vantent souvent. Ouais, je ne sais même pas pourquoi je ne trouve pas ça. J'avais même fait une vidéo dessus. Mais comment quelqu'un peut s'asseoir au Cameroun, raconter comment il fait les tous pas avec les gamines qu'il appelle tonton. Il est là, en bonjour, visant que le Cameroun c'est devenu même quoi. J'étais choquée. Merci, Mathilde. C'est pour ça que je parle du deux poids, deux mesures. Parce que nous voulons sélectionner les problèmes qui nous plaisent, parce que ça a une certaine consonance, et jeter d'autres parce que ça nous... Non. Aujourd'hui, nous voulons tous l'amélioration du pays parce que nous voulons tous être... Moi-même, je serai le maire de Boambe demain. Donc, quand je serai le maire de Boambe, on doit m'excuser les conneries que je fais parce que non... Pardon. Bon, c'est là, tu veux parler ou bien tu es occupé? Maman Kissing, vas-y. Maman Kissing. Oui, ils veulent encore tirer ça d'un autre côté. Si c'était David Eto, si c'était, je ne sais pas, n'importe qui, ils allaient ouvrir un dossier pour montrer que c'est entre eux. Il a toujours été comme ça et tout et tout. Parce qu'on parle comme ça. Hein. L'histoire de Bruno Bidjan qui est tombé là-bas chez lui, c'était nul à chier. On n'a pas dit la vérité. Ça n'avait pas de tête, ça n'avait pas de queue. Une personne majeure est vaccinée, porte son corps, est pardonnée à l'ami de son gars, le collègue de son gars. On s'énerve en quoi? C'est son corps. Si elle dit qu'elle veut pas, si elle y a moko quand on la gnasse dans les narines, c'est nous quoi dedans? Attends. Si elle y a moko on la gnasse dans l'œil, nous quoi dedans? Ça avait quel sens? Mais c'était juste parce que c'était un Bruno Bidjan que ça, qu'on a passé ça là-bas. Sinon, franchement, ça n'avait pas de tête, ça n'avait pas de queue. Ça n'avait pas de queue. Ça a d'abord fait comme la sauce d'arachide, non? C'est tombé poupe. Ouais, j'ai commencé à écouter, je dis que mais c'est quelle histoire qui est fade comme ça? Comment? Un papa qui ne peut pas retenir sa femme à la maison et une femme qui ne peut pas fermer ses cuisses, il faut qu'on dérange la population papa avec même, ça. Il a même su que, ça, que c'est comme ça. Est-ce qu'il s'est arrêté? Au début même de l'histoire, il dit qu'il n'habitait pas avec la fille. Après, il a pris la fille, il l'a mis dans la maison. Il savait que son ami Nyassé avait sa fille. Il a alors laissé la fille, il n'a pas laissé la ranga. Il était tout fou ça. Et le gars là ne nous a même pas tout dit. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi on a fait autant de choses parce que la panthère même a encore... Bon, après moi, quand j'ai écouté, je me suis dit, bon, peut-être la panthère a eu l'histoire, il n'a pas écouté jusqu'à la fin. Mais c'est quand il prend aussi la caméra, il commence à justifier certaines choses que j'ai dit, mais attends. Donc, il comprend même que l'histoire a lieu. Moi, je croyais qu'il allait prendre la caméra et nous dire que vraiment, mes frères et sœurs, je croyais qu'il y avait même les choses croustillantes. J'ai posté sans écouter. Mais vraiment, j'ai compris que vraiment, j'ai perdu votre temps à Sia pour vous. Pourquoi? Elle dit qu'elle t'attend. Il a dit que tata, les gens choisissent les combats là-bas selon ce qu'ils ont envie de nous faire gober. Mais ils ont oublié qu'ils ont ouvert les écoles au Cameroun. On a ouvert l'école, on a ouvert l'aéroport. Quand on a fini de fréquenter là-bas, on est encore parti fréquenter chez les Blancs. Donc nous sommes intelligents aujourd'hui. On ne peut plus manipuler nos cerveaux. Non, le gars là nous a pas tout dit. Il nous a pas tout dit. Et normalement, il fallait pas que la panthère devait poster et ne pas sortir. Le gars là nous a pas tout dit. S'il veut vraiment qu'on croit son histoire, ce qu'il a annoncé là, il faut qu'il revienne, il nous dit encore tout. Parce que là. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas choisir les combats, ma reine. Il ne faut pas choisir les combats. Surtout quand il s'agit de la douleur des gens. Je vous dis la vérité. Vous ne savez même pas ce que les gens vivent au nord et à l'extrême nord du Cameroun. La vie est très difficile dans le septentrion. Je dis très difficile. Les septentrions, on n'est pas sur ça. On est sur une histoire que dans la vie, quand tu veux condamner une injustice, il faut condamner toute injustice. Violence, c'est ça, ma terre. Violence. On ne peut pas. Et puis, arrêtons que parce que c'est l'État. Regardons d'abord le problème de quelqu'un qui veut manger partout. Les gens sont là.
Il regarde seulement que parce que. Regardez qu'il détruit la jeunesse. Regardez qu'il pervertit aussi la jeunesse. Il fait partie de ceux-là qui pervertissent la jeunesse. Toi, tu sais que quand Mbinda même fait forcer quelqu'un, tu peux même être un jour que tu ne bonnes même plus à cause d'un Mbinda forcé. Même donc, quand tu bonnes, même la majorité des gens, même quand elle bonne là, elle ne t'aime pas. Il y a beaucoup de filles là, tu la vois, elle n'aime pas sa vie. Elle est okay. Là, elle vit peut-être pour ses enfants, mais en gros, la vie, c'est un cauchemar. Hein. Je te dis que Ren, il y a une dame qui est venue en cabinet l'autre jour avec ses filles. Oui, elle te dit que ses filles sont traumatisées. Il n'est même pas du côté de nos frères là. Il n'est même pas de ce côté-là. C'est parce qu'il voit que maintenant, il peut tirer profit d'eux. C'est un opportuniste de première classe. Et moi, j'ai vu quelque chose. Hein. Même tous ces gars qui sont dans l'autre partie là, qui ont mangé hier dans la même table, non. C'est parce qu'ils n'ont plus de. Ils ne peuvent plus tirer profit derrière les autres gens. Donc, c'est des opportunistes. Tous là, c'est des opportunistes. Tous ces artistes Brakata là, hier ils chantaient pour les mêmes gens, ils mangeaient pour les mêmes gens. Aujourd'hui, ils voient que peut-être que demain après, ça peut tourner autrement. Ils commencent à retirer leurs pieds autrement. Il n'y a personne là-bas qui se bat pour le peuple, personne. Chacun se bat autrement. Maintenant, parce que bon, voilà, le vent est en train de souffler autrement. Ils veulent maintenant faire jamais. Mais sinon, quand c'était bon, quand ils mangeaient là-bas, ils pensaient à nous. Mais lui-même, il a dit ça dans la vidéo, là, non. Que n'est-ce pas, j'ai chanté que la mère nationale ne connaît pas les marabouts. Il a dit ça dans la vidéo. Donc, quand ils sont en situation de ne pas vouloir parler, ils ne tiennent pas. Je tiens à vous rappeler que les Rosa Parks, comme ça, elles tenaient la parole de bout en bout. Oui, il faut pas devenir familette quand tu veux. Quand ces gens-là mangent avec eux, quand ils ont encore leurs intérêts, quand on les appelle encore sur le Ngom là-bas danser, on ne les voit pas. On ne les sent pas. Ils ne sont pas avec le peuple. Ils sont comme les influenceuses. Les influenceuses, les jetteuses camerounaises. Comme elles savent qu'elles vivent seulement, que c'est leurs gars qui sont dans le Ngomna, qui les choquent les dos. Elles ne se soucient de rien. Elles ne dénoncent même pas Eneo. Flore, on t'écoute. Floriane, on t'écoute. C'est au moment qu'on parlait de l'histoire de ce jour-là que je voulais rebondir. Vas-y. Ce jour-là, j'ai demandé. Moi, ce jour-là, vraiment, j'étais. Bon, moi, je ne savais même pas. Parce qu'il y a des moments où je suis pas trop. M'a dit, et je n'ai pas voulu jouer ça ici parce qu'elle parle les crumeaux. Elle dit qu'il y a un monsieur tout le temps là, qu'il y a une vidéo de lui là où il a hanté des niasses. Le boda d'une fille qui est folle. Mais que ça a fait le tour des réseaux sociaux là-bas, personne ne parle. Donc, il y a certaines choses que entre eux là-bas, ils ne parlent pas. Et quand ça les arrange, ils parlent. Vas-y, maman, je t'écoute. Floriane, vas-y. Maman, Kessing, attends, il te descend parce qu'il voit que toi tu es là depuis. Florian Neck, ok, bon, le live a duré, non, les filles. Attends, Florian. J'arrive pas à te. Ton micro est bouché. Elle a eu un appel, ok. Donc, j'allais vous dire qu'il faut que vous sachiez, si vous vous battez pour les causes nobles, commencez déjà à condamner ce qui est à condamner. Quelqu'un, ses amis d'hier, le maître Ongata, c'est son père et sa mère, non? C'est son père et sa mère qui l'ont sorti au bataillon. Un enfant, même si c'est quoi, tu corriges ton enfant, on vient pleurer. Moi, c'est ma question d'abord de base. C'est dans sa propre bouche qu'on l'entend dire que c'est son père, non? Vas-y, Florie. Comme je disais là, Ren, par rapport à l'histoire de Bruno, c'est ta personne qui était venue me dire ici qu'il y a un truc et tout et tout. Elle me dit, mais. Aberdeen, elle me dit, mets ton téléphone, mon téléphone est déchargé. Quand j'ai commencé à comprendre, je lui ai dit que pardon, si c'est ça là que vous voulez nous amener, pardon, recule avec ça là-bas. Un vieux père comme ça là, donc malgré que tu savais qu'il gnassait avec ta femme, tu pars encore toujours gnasser jusqu'à l'enfant est sorti dedans. Hormis que l'enfant est sorti dedans, tu es toujours avec elle dans la même maison. Quand, oh, machin, je dis pardon.
Ça, là, quand vous voulez faire les conneries, quand vous voulez même raconter les choses aux gens, raconter ce qui est passé, le monde entier peut écouter sa sorte. Tu ne l'as pas chassé. Ouais. On ne veut même de l'histoire. Tu n'as pas 12 ans. On ne veut même... Je ne sais pas. Bon, la personne qui veut parler, parle. Regarde chaud. Regarde chaud, vas-y. Bon, vous ne voulez pas parler, mais vous êtes monté faire quoi? Égare. Oh, c'est comment? Les bruits bizarres. Je sais pas ce qu'il faut. Florian, tu n'es pas dit. Comment il t'a dit? Mais tu pars, tu viens. Tu pars, tu viens. Comment? On m'appelle au téléphone, c'est comme si le soir, chacun appelle pour dire ça, ça, c'est qu'ils vont manger, maman, pardon. Tu sais qu'ici, là, ils pensent que c'est le restaurant. Ok. Donc, désolé. Donc, du coup, comme j'ai dit, le jour, là, j'ai dit, mais... Donc, c'est seulement parce que ça, c'était Bruno Puja. Moi, ça ne m'a pas plu. Tu comprends un peu rien. Parfois, il y a des choses, quand on te croit sur eux, il ne faut pas ramener des choses. Quand on te donne un truc, tu écoutes. Vraiment, moi, c'était la flemme, ce jour. C'était vraiment nul à chier. C'était, ça ne servait même à rien qu'ils mettent ça sur les trucs. Même que les gens ont... ta personne me dit qu'on attendait ça comme c'était le lieu du monde. J'ai dit que c'est quoi? Elle me dit que... C'est quoi? Un vieux homme comme ça, là, dont on prend ta femme, même jusqu'à là, ils ont continué à voyager ensemble, non, Reine? Ils ont continué à voyager ensemble. Pourquoi tu n'as pas dit que non? Oh, je suis, ils vont me clamer, ils vont me faire ceci. Est-ce que quand on veut te clamer, on te dit qu'on va te clamer? Il n'y a que celle, l'autre, les deux autres gens qui se sont, les trois mousquetaires, comme tu as dit là, qui se sont collés pour faire des bêtises. En tout cas, moi, je voulais dire, la dame qui dit que la petite de Bordeaux, là, n'est-ce pas ton père pour se justifier, a dit que la fille était mature, qu'on avait seulement coupé son âge. Mais dans quel coup déjà, toi, tu vas nias avec la fille de ta femme. Donc, je ne sais pas, les gens n'ont pas honte. C'est ça. On dit que tu as nias avec la femme, la fille de ta femme. Au lieu de dire que, au lieu de la boucler, tu viens justifier qu'elle n'était pas mineure et tout, tu n'as même pas d'abord nias avec elle. Les gens qui supportent ça, je vous souhaite ça. Hein. Après, demain, vous voyez que la personne a reçu sa dose, vous allez voir si vous aurez pitié. Donc, la fille est à Bordeaux. Est-ce qu'elle va même sortir? Si c'était les histoires de quelqu'un d'autre, c'est qu'on a déjà sorti là où il a été se vanter qu'il fait les tous. Parce qu'on a déjà sorti les choses jusqu'à. Et j'aime bien les Camerounais. Ils sont assis par terre. C'est quelqu'un d'autre qui doit dénoncer. Parce que leur bouche, elles ne veulent pas se mettre en avant. Égard, attends, t'es descend. Parce qu'elle voit que peut-être que vous êtes occupé. Bon. N'oubliez pas d'aller souvent écouter le Congo, ça, parce que quand je n'ai pas le temps, je mets sur ma chaîne, vous partez écouter là-bas. Pour finir, sachant, voyez-vous que dans la vie, alors, il y a alors les gens qui ont le sang du maquereau. Vous voyez que moi, je ne fais même pas, je n'amène aucun commentaire sur les réseaux sociaux. Je commente seulement les commentaires. Mais commenter même des commentaires là, c'est moi qu'on voit toujours mal. Jusqu'à ce qu'on veut me rire pour une histoire de commenter les commentaires. C'est-à-dire que je suis choquée. Une chose est sûre, c'est que dans cette vie-là, quand les gens se lèvent aujourd'hui, non, on ne rit pas mal. J'ai amené quoi moi sur les réseaux sociaux. Allez jouer les Jack Bauer, allez jouer les gens qui font les enquêtes. Je ne sais pas faire. Moi, je commente les commentaires, même commenter les commentaires là. Je suis dépassée. Mais une chose est sûre, j'aimerais dire aux gens que
Il ne faut pas que les gens nous pensent que nous pensons que certaines personnes luttent pour nos intérêts. Non. Personne ne lutte pour les intérêts de personne. Ces gens-là, si on les appelle, on les donne 10 000, ils vont nous oublier. Ils vont nous oublier. Personne ne se bat pour nous. Quand ils mangeaient hier, c'était bon. On les appelait 2-3 minutes. Venez chanter chez Nkunkuma. Venez chanter chez Nkunkuma. Personne. La galère. Les gens viennent nous parler de 42 ans. Mais 42 ans, la douleur là n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Est-ce qu'à l'époque là, ça les intéressait? Non. Parce qu'ils mangeaient, non, oui. Maintenant, là, pardon, qui ne nous emmerde pas les Camerounais, nous? La personne qui veut aller mettre sa tête au carrefour pour certaines personnes, ça les regarde. Ça les regarde. Mais je veux seulement vous dire une chose. C'est qu'avant d'ouvrir vos bouches, sachez que nous, les autres, on n'a personne. On n'a personne. De la manière dont quelqu'un a mangé avec quelqu'un, et ce qu'on l'a laissé là, ce n'est pas la même chose. Et rien ne peut justifier la gnasse forcée. Personne, il n'y a aucun personnage public là. Merci, disait Tchinga. Il n'y a aucun personnage public qui va se soucier. J'ai vu la baronne dire que Nganou doit partager la photo, même si c'est seulement Nganou s'est fait par lui-même. Et les Africains, nous les Camerounais, nous sommes tellement ingrats avec Nganou. Quand Nganou a perdu son enfant ici, on a osé se lever pour commencer à dire que oh, le Bamileke, il a vendu son enfant aux femmes là. J'ai vu certains Camerounais dis ça, sans gêne. Comme carrément, sans gêne. Ton frère, il perd son enfant. C'est comme si les autres gens, dans vos vies, il n'y a pas la RIP. Dans vos vies, là, tout le monde qui RIP, là, que son enfant RIP, c'est qu'on a vendu quelque part. J'étais choquée. J'ai dit, mais comment les Camerounais peuvent s'asseoir, commencer à dire que, oh, ça a commencé. Le Bamileke a RIP son enfant. J'ai dit, mais attends. Le monde là est sérieux. Il a perdu face à l'autre. Vous avez commencé à dire que oh, quand tu viens monter, c'est là pour commencer à marcher, être là. Tu ne sais même pas soulever les pieds. Une jeune fille qui tire les pieds. Ah! Quand une fille qui est lourde marche, tu vois. Toi, tu peux même marcher avec les talons un jour dans ta vie, maman. C'est quelle façon de tirer les pieds, ça? De tirer les sandales, ça? Mais tu imagines un peu en train de marcher avec les talons. Ah! Donc, j'étais disant que, imaginez-vous, il a perdu, on a commencé à dire que, oh, il se prenait derrière toute la tête. Les Nganous ne nous doivent absolument rien. Les Nganous, là, c'est parce qu'ils se sont imposés à nous qu'on les respecte. Et encore, il y a certains qu'on ne les respecte même pas. Quand il s'agit de s'asseoir et s'insulter, et tout qui s'est fait par ses propres pieds, vous ne partez pas revendiquer les droits acquis de droits, les gens que vous avez votés. Vous les laissez pour venir insulter les Nganous, les Eto. Laissez les Nganous et les Eto. Ils sont libres de partager ou pas. Allez voir vos influenceuses 2.0. À coup de like, oh, on vous, oh, telle personne vous dépasse. Oh, ceci, oh, cela, là. Allez les voir. C'est eux que vous avez fabriqué. Vous n'avez jamais fabriqué Eto. Vous n'avez jamais fabriqué Nganous. Nganous s'est fabriqué par la force de son mental, la détermination. Eto, pareil, grâce à ses mollets, Nganous, grâce à ses biceps. Ils ne vous doivent absolument rien. Ils font tant mieux. Ils ne font pas. On ne doit. Ils ne nous doivent absolument rien. À un moment donné, il faut qu'on comprenne ça. Et chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités à main. Si tu veux te libérer, tu prends ton téléphone avec lequel tu viens regarder tel influenceur jusqu'à lui demander que tu ne parlais pas de ça. Tu ne parlais pas. Toi-même, tu as une page. Prends tes doigts. Aujourd'hui, tu peux faire la vidéo sans montrer ton visage. Aujourd'hui, tu peux faire une publication sans montrer ton visage. Vous-même, vous pouvez libérer sans toutefois que les gens viennent vous aider. Chacun de vous, prenez vos... Arrêtez d'envoyer les enfants des gens au choc. Malox, c'est devenu votre moins cher. Oh, Malox, oh, c'est Malox, c'est quand vous avez dit que c'est le femme là. Malox a son bar. Oui, tu vois les gens dire que oh, tout pour lui, rien pour les autres. Oui. Mon cher, on dit que le courage commence quand tu as peur. Malox a parlé ici, là, moi-même, je suis restée comme ça. Il dit que la fête des 55 signes de la petite, là. Est-ce que Malox, même, on va le laisser? On l'a laissé. Laissez l'enfant. Vous êtes grand, vous êtes majeur, vous êtes vacciné. Elle bosse 237, envoie le lion, non. Vous êtes majeur, vous êtes vacciné. Chacun doit se lever. Vous êtes trop fâché de ce qui se passe au Cameroun. Prenez les billets d'avion, allez au Cameroun. C'est l'hiver maintenant, les billets d'avion sont moins chers.
Arrêtez d'inciter les enfants des gens. Arrêtez. Arrêtez. Parce que beaucoup de vous parlent comme ça, là, vous avez la côte bien assise. Il y a des gens là, même s'ils parlent 50 ans, ils ne sont pas au on ne va rien les faire. Moi, je dis que la vie que vous voyez, cela. Le courage, c'est sur les réseaux sociaux. Vous voulez, vous allez changer quoi sur les réseaux sociaux? Vous allez changer quoi avec les écritures, si c'est ça qui va faire quoi? Tu n'étais même pas inscrit dans la liste électorale jusqu'à aujourd'hui. Tu ne veux pas aller voter. Le vote ne t'intéresse pas. Mais si on te demande, tu veux le changement. Tu veux le changement en restant sur les réseaux sociaux, fais les commentaires en bracata. Pardon, mamie, je t'écoute, El Boss. Oui, bonjour, bonjour, bonjour et bon après-midi. Mm-hmm. Tu m'écoutes? Oui. Vraiment, je suis très content. Je le courage des commentaires, le courage de Facebook, le courage de dire aux enfants des gens que levez-vous, levez-vous. En même temps, vous êtes assis chez vous, en train de mougou vos enfants, de mougou vos maris. Excuse-moi, ma soeur, vraiment, c'est ma première fois que je monte sur un live. Peut-être, je peux dire que c'est la deuxième ou la troisième fois, parce que quand j'écoute ce qui est bien, franchement, je n'hésite pas de dire bravo. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus comme, je ne sais pas, c'est pas mauvais, les réseaux sociaux, parce que nous avons des bonnes informations, là, et puis bon, on peut retrouver un ami, tu peux écouter et tout ça, mais aujourd'hui, c'est devenu comme, ça fait pitié, mon Dieu. Il y a de cela seulement quelques jours, nous savons bien ce qui s'est passé. Même si quelqu'un est décédé dans une famille, qu'il soit vivant ou mort, on ne fait pas ça. Mais moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Cameroun? Pour que je demande que le Cameroun doive... Qu'est-ce que moi j'ai fait d'abord pour le Cameroun? J'ai demandé à un autre jour, mon frère, nous sommes ici depuis quelques années. Tu as construit un puits chez toi, un puits aménagé chez toi qui coûte environ 800 ou 1000 euros. Un puits aménagé pour que les gens de ton village puissent boire. Bon, mais tu sais seulement demander, critiquer, dire... Tu travailles, oui. Tu as au moins quand même 1500 euros le mois, environ 1 million. Tu as déjà construit un puits aménagé dans ton village. Je n'ai pas dit pour toi-même personnellement. Dans ton village, ou bien dans le village, disons même de tes oncles et tout ça. Deux minutes, hein. Le matelas de la République doit laisser les choses des enfants. C'est qui le matelas de la République? Vas-y, boss. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Cameroun, pour que le Cameroun me donne ce que je réclame? Dans tous les pays, il y a des rats. Il y a des vautours. Mais ce n'est pas comme ça. Je ne veux pas entrer dans les détails et pour indexer les gens. Moi, je n'aime pas prononcer. Ce que tu dis, tu as parfaitement raison. Que laissons les gens tranquilles. Et ton fils, Ngano, lorsqu'il y a un problème, il faut aller chercher les enfants, les enfants d'autrui pour venir les exposer sur la place publique, pour les lapider, pour leurs égoïsmes. Les petits calculs, après, boum, ils s'envolent. Non, chacun dit de faire ce qu'il veut dans sa vie. Si j'ai, donc, le nom de Marlène, c'est Marlène. Matelas public doit laisser les choses des enfants. Les enfants, c'est qui? On t'a dit qu'un enfant a 25 ans. Vraiment, je vous suis depuis quelques jours, depuis quelques mois. Un enfant a 25 ans. Des choses tellement très simples. Tu n'es ni pour ni contre quelqu'un. Tu dis pas la moi réalité, ma soeur. Moi, je pense d'abord à ce que moi, je vois les intérêts des gens. Et les intérêts des gens, c'est quoi? Les intérêts des gens, c'est utiliser certaines personnes pour libérer. Pour libérer ou quoi que ce soit. Entre-temps, eux, ils sont en sécurité avec leurs enfants et tout, et tout. Des enfants de qui d'aller se sacrifier. Nous tous, on veut voir nos familles grandir. Chacun ils sont là dans la maison, il y a avec les familles qui ont des enfants, ils vont au travail, ils envoient l'argent à leur famille. Ils font du bien dans leur famille, mais
Mais ils sont là derrière, c'est pour des petits calculs. Non, il faut qu'on calcule quand on va nous donner 10 000 euros là, chaque aura 300, 500. L'État a sa responsabilité. L'État doit tout faire. Mais j'aimerais demander quelque chose. C'est qu'au cas où l'État ne fait pas, c'est quoi qui doit prendre le relais? La population. Est-ce que la population, c'est forcément les gens qui sont sur les réseaux sociaux? Non. Donc chacun doit se lever. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un écrire là-bas au Cameroun que, sur les commentaires là-bas au Cameroun que, vous qui êtes en Europe, là, laissez notre pays tranquille. Laissez, on ne vous a pas appelé dans nos choses. Ça, c'est deux, il y a deux jours, là, quand la vidéo de Longa Longa est sortie. Les gars même qui sont au pays, nos jeunes frères qui sont au pays disaient qu'on doit libérer leurs choses. Vous voulez signer quoi sur leurs choses? Ils ont raison, vous y vivez? Non. Qu'est-ce qui vous dérange dans leurs choses? Les gars ne sont même au pays, mais on n'est même pas au courant de ça. Tu parles même ça, je dis, fous-moi le cas. Les gens ont commencé à ouvrir les narines ici, que pas pour les hauts. Les gens nous ont dit carrément, les gens leur ont dit carrément que vous êtes là-bas, nous vous cherchez pas pour quoi? C'est encore votre président, restez avec votre président de Mbeng là-bas. Ils veulent couvrir leur honte de papa. Bon, la population ne doit pas prendre le relais. Personne ne doit prendre le relais. Bon, vous demandez, les gens demandent aux gens de foutre alors quoi sur les réseaux sociaux. Pourquoi nous, on doit venir s'indigner sur telle ou telle population? Personne n'a donc ta responsabilité. L'État ne fait pas. Bon, la population n'a pas donc de responsabilité. Bon, il y a quoi? Il n'y a rien à faire. Mais pourquoi vous voulez alors emmerder les gens? Il n'y a rien à faire. Ah non, non, tu parles. Moi, je t'ai écouté. Si tu rentres chez toi le soir et que ta femme n'a pas préparé et que toi-même, tu sais que tu n'as pas rationné, bah, tu ne dois pas réclamer le repas. Même si tu sais que tu as rationné et qu'elle n'a pas préparé, tu demandes que la nourriture, ou elle te dit qu'elle bon, n'a pas eu le courage de préparer. Bon, frère, tu arrêtes seulement sur toi. Tu laisses tranquille? Non. Pas m'aider les gens. Ça, c'est un truc que moi, je dis non à ça. Arrêtez de faire croire aux enfants qu'ils sont des héros. C'est un business. Les réseaux sociaux pour eux sont devenus un business. Là, on va aller gratter, on va aller chercher l'argent pour que lorsque l'autre va donner là-bas, nous aussi, on donne là-bas, tu vois, l'autre dit. Mais franchement, bon, aujourd'hui, le président au Cameroun, on fait comment? Ce n'est même pas une histoire de président au Cameroun, c'est une histoire de que personne, aucun Camerounais ne veut jamais être responsable. Certains se lèvent, ils disent que c'est Aïto de sortie. C'est Anganou de sortie. Mais voilà. C'est Arène de Saba de sortie. C'est à telle personne de sortie. Les gens là oublient une seule chose, c'est que Eto, c'est une personne. Anganou, c'est une personne. Les influenceurs ne sont pas 500 personnes. La population est une millier de personnes. Donc la population, si elle veut faire ces choses, elle n'a pas besoin des influenceurs. Faites vos choses et déposez les autres gens qui ne veulent pas avancer. Si les Oumniobel, les Douala Mangabel, les gars Bamneke qui ont aidé pour libérer le Cameroun, s'ils étaient assis par terre en train de regarder qu'ils étaient en minorité, oui, parce qu'ils étaient en minorité. Ils étaient en minorité. L'indépendance du Cameroun, là, les gars qui sont battus pour l'indépendance, ils étaient en minorité par rapport à la population. Est-ce que ça les a découragés? Non. Pourquoi vous, aujourd'hui, vous voulez à tout prix être en majorité? Si vous êtes volontaire et que vous êtes sûr de votre coup, allez-y faire ça, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez de faire croire aux gens qu'on vous doit quelque chose. Non, hein, parce que le monde est tellement ingrat. Quand tu vas parler, on va dire que, oh, tu parles les choses des gens. Oh, ça ne sera pas que tu as fait comme ça, là, c'était pour nous tous. L'enfant de tout lui que malheur, ils sont sur lui, ils sont sur lui, ils sont sur lui. Hé! Hey! Non. Malheur, ça finit de gâter le buzz de Viviane. On est assis par terre. Mais non. Oh. Que oh, il regarde les intérêts de son bar. Mais vous ne regardez pas les intérêts de vos bars, mais vous ne descendez pas aussi au pays. Pourquoi? Il regarde les intérêts de son bar, mais vous regardez aussi l'intérêt de vos vies. Descendez aussi au pays. Parlez. On peut vouloir induire les enfants des gens comme ça, là, comme les sautes-moutons. Voilà les élections. Si tu demandes maintenant à combien de personnes même qui sont inscrites, tu ne vas pas voir. Commencez même d'abord à demander aux gens d'aller s'inscrire. Tu ne vas pas les voir. Ils vont te dire que ça ne sert à rien. Bah, ça sert à rien. C'est écrit derrière les réseaux sociaux qui sert à quelque chose. C'est parler le bracata derrière les réseaux sociaux qui sert à quelque chose. Si c'était au moins quelqu'un qui était... Parce que hein, moi, je suis désolée, vous n'allez pas aimer, mais moi, je vais vous dire. Vous savez, même l'histoire du journaliste là,
que vous êtes en train d'écrire que oh, il a eu ça, mais à l'époque, il était l'ami de mon cher voisin, non? Quand tu pars regarder, ça a toujours été les gens qui étaient avec eux hier. À l'époque, il était ami de mon cher voisin. Il faisait les éloges de mon cher voisin. Quand ça a cuit là-bas, ça se gâte. Nous, on doit se lever. Quand les gens mangeaient l'argent, on était avec eux. Merde, on enlève 40 poussières de 1 000 euros pour donner à quelqu'un. Il a fini de manger ça. Ça l'a servi. Maintenant, il crache dans la main qu'il a nourri. De nous, d'aller commencer à faire revendiquer quoi? Oh, pardon. Si on donne aussi ma part, là, je veux aussi me lever pour être motivée. Les gens ont bien mangé, bien profité, bien bu. Bien, 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 bien. Nous, on doit se lever, work dans zéro. Oh, pourquoi? Franchement, quelqu'un mangeait bien avec ses amis, il faisait les éloges et tout, ça cloque qui cuit un côté, maman. Les gens que tu manges avec eux décident que c'est toi qui dois être à la table aujourd'hui. Nous, notre problème, c'est où? Les gens ont les opportunités d'avoir l'école payée, les choses payées, les choses, les voyages et tout. Nous, on n'a rien eu, on doit se lever maintenant. Tu as fini d'éduquer ton enfant à la sueur de ton front, suer pour envoyer l'enfant à l'école. Tu t'es battu jusqu'à. Maintenant, on te dit que c'est lui qui doit être devant pour le bracata. Tu as accepté. Chacun qui est fâché se lève, il parle pleurer son corps. Moi, j'ai dit qu'il y a certaines choses au Cameroun, je ne vais même plus parler. Parce que le Camerounais normal, il est fort seulement pour écrire, pour parler. Vous savez que c'est ça qui va changer quoi? Ils savent manipuler. Bonsoir. Bonsoir, Kenzo. On t'écoute. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. À propos du sujet de longueur, longueur, c'est de ça que tu parles. Oui. Je peux pas bien me prononcer si je connais pas bien le sujet. Ah non, c'est le sujet. Si tu en as parlé, c'est que tu as compris. Vas-y. Non, je suis du même avis que toi. Je suis arrivé au milieu de ton discours là, mais pour moi, il n'a que ce qu'il mérite. Parce que quand en 2018, il a pris l'argent avant, il était toujours dans le RDPC. Et aujourd'hui, il est toujours avec le RDPC. Qui va se lever pour aller revendiquer pour lui? Il Merci. n'a qu'à assumer ses actes. Ceux qui crient, levez-vous là, c'est pour eux-mêmes. Ils sont en France, ils sont à l'extérieur. Qui prend le billet d'avion, ils partent gréver eux-mêmes. Ils partent gréver. Ça doit servir de leçon aux autres. On Tu leur a avais déjà les dit gens que vous matin, n'êtes midi, pour soir, rien. après tu. Rien n'est pour rien. Ça ne sert à rien d'être Voilà. versatile. Quand tu peux pas être avec quelqu'un, tu peux pas être fidèle à une personne, ne mange pas son argent. C'est comme un homme te drague, tu sais que tu ne veux pas de lui dans ta vie. Ne mange pas son argent. Quand tu manges son argent, tu montes, tu descends, tu lui dois quelque chose. Le problème, ce n'est pas là, il n'est pas question de loyauté, de longueur, longueur. Son problème, c'est qu'il veut jouer, il veut cogner les têtes, il veut manger des deux côtés. C'est ça qui n'est pas bon. Si on l'a fouetté et qu'il veut bien voir ses enfants grandir, c'est une leçon. Tu ne peux pas manger avec les gens, on te donne ce que tu veux. Quand il a eu les problèmes, il gueule là. On ne l'a pas aidé. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a aidé. S'assoit là aujourd'hui pour venir gueuler les gens. J'ai vu ces vidéos. Est-ce que le monsieur là, même si le gomme ne l'avait pas sorti d'une tata, est-ce qu'il serait encore même vivant? C'est son pour. Non, pour moi, non. C'est une Parce que leçon. Il doit tu connais le comprendre. tata ici, surtout quand tu as beaucoup forcé l'enfant, non? On allait le terminer avec son derrière. C'est son problème. Vous devez On dit voir. 10 ans, d'autres disaient qu'il avait été condamné à 15 ans, il allait s'en sortir. On doit bien le bastonner, même comme ça. Les gens qui défendent là, les Camto, c'est un avocat, non? Il n'a pas un cabinet d'avocats. Qui prend les avocats et revendique depuis 2019, il n'est pas au courant de ça.
mange. Après maintenant, Dieu est sûr. On va bien les bastonner. Ceux qui veulent se servir de ça maintenant pour déstabiliser les Camerounais, c'est leur problème. Le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. On ne va pas faire des marches pour longueur, longueur. Il n'a qu'à quitter lui-même venir au pays. Il parle maintenant, non, apparemment, c'est comme s'il est en France. Qu'il descend au pays pour revendiquer justice. Est-ce que toi-même, tu sais que... Ces histoires-là même, moi j'ai envie de leur dire quelque chose. Il n'y a personne dedans qui n'a pas mangé avec ces gens-là. Donc tu manges avec tes gens, ça cuit entre vous. Si vous êtes des amis, arrangez-vous. C'est un édifice. Attends, je le descends. C'est pour ça qu'on... Je ne veux pas les gens politiques ici. Là. Non, nous sommes dans notre devoir de Congo, ça tranquille. Tu as les problèmes avec tes amis. Arrangez-vous, ne nous appelez pas. Je sais plus, les amitiés d'aujourd'hui ne tiennent plus. Vous avez vos sous-problèmes là-bas. Arrangez-vous, ne nous dérangez pas. On n'a pas besoin de ça. Que l'enfant de qui va venir se mettre devant. Moi, j'ai dit ce qu'elle avait dit. Mais une chose est sûre, c'est que même le semblant de paix qu'il y a au Cameroun là, wallahi billahi, il faut d'abord dire merci. Je n'ai pas mangé un 5 francs du gouvernement. Je ne suis jamais sortie avec un gars qui m'a donné, même que j'ai dit que le ministre ou quoi que ce soit. Mais j'ai dit une chose, c'est trop facile de s'asseoir, faire les commentaires. La personne qui est trop fâchée, le 237 est ouvert. Vous pensez que c'est avec les écritures, les gros tests, les longs, longs tests. Si c'était seulement ça qui pouvait arranger la situation, c'est que les humains doivent d'avoir fini avec. Par exemple, lui, c'est, il est très fort. C'est que les humains doivent écrire tout. Ils sont levés autrefois, ils ont dit que le père là est fini. Même Zuya dit que pardon, le père, si je n'ai jamais dit qu'il est fini. Chaque jour, vous faites. C'est là que vous allez comprendre que c'est Dieu qui donne. Avec tout ce que vous faites là, le père là est tout là. Vous allez comprendre que c'est Dieu qui donne. Moi, j'ai dit une chose, personne ne doit venir nous dire que dénoncer, vous êtes des lâches. Oui, oui, moi on est des lâches. Vous qui êtes courageux, allez-y. Nous, on est des lâches. Vous qui êtes courageux là, allez-y. Allez-y. Bon, maintenant, là, moi, j'ai vu le truc de Lady Ponce et de son frère Malox le matin. Je n'ai pas compris le buzz. Les entreprises des gens. Toi, tu es une grosse mytho. Tu es une mythomane, c'est-à-dire que quand on te regarde, toi seul, tu es déjà la mythomanie. Ah. Le caleçon qu'on met aux fesses, une fille qui prétend brasser les... Tu ne peux pas acheter un slip. Le jour que tu t'es amusé à dire que tu pars à la plage, Aïcha Kamoise, même dans les mystigriffes, les machins, tu peux avoir un bon maillot de bain, mais vous, les bambiniques, vous exagérez. Vous exagérez. Il n'y a rien qui coûte moins cher ici en France comme des habits. Aïcha Kamoise, à partir de quel moment on te voit habillé, on dit que voilà une fille qui est habillée. Pour venir t'asseoir pour dire que je suis propriétaire. Non, c'est parce que c'est toi qui as les papiers. Quand j'ouvre mes comptes bancaires, on voit virement à Akumba Cynthia 15 000 euros, virement à Akumba Cynthia 20 000 euros, parce que ça avait le nom de ma fille que j'opère. Ça avait le nom de ma fille que j'opère, parce que ma fille, elle est française. C'est la même chose que ta mère fait avec toi. Tu as travaillé quand pour prétendre que tu peux constituer des apports pour les achats en Europe? Tu as menti aux gens que toi, tu es propriétaire de l'appartement T1 où tu vis avec tes enfants, deux enfants. Ou c'est T1 ou T2, je ne sais pas trop quoi. Tu as accédé à cette propriété comment? Sur quoi repose, si c'est que c'est des crédits, le crédit que la banque décide de te donner, au moment où tu achètes cet appartement, il était basé sur quel revenu? Puisque dans tout ça, tu prétends que tu achètes seul. Hein? Est-ce que tu sais comment constituer un dossier de prêt? Ça me permet de rebondir sur l'autre mythomane. Parce que c'est vous les mythos. Qu'on appelle le Chang Anango. Il dit que les gens qui connaissent vraiment l'argent
n'achètent pas cash. Les gens qui connaissent l'argent achètent tout à crédit. Je dis, mais attendez, est-ce que vous connaissez les conditions d'accès à un crédit bancaire? Le crédit bancaire, si c'est que tu le prends en tant que personne, pas en tant que société, on regarde ta crédibilité financière à toi. Et pour regarder ta crédibilité financière, le premier élément, c'est que tu dois gagner au moins 3 fois le prix de ta mensualité. À quel moment, toi, Aïcha Kamoise, intuitu personné, as-tu gagné 3 fois le montant? C'est-à-dire qu'un CDI, ça vous pose question? On endosse le crédit sur 15, 20, 25 ans. À quel moment, toi, cette tu as travaillé en France et tu as gagné 3 fois le montant? Moi, personnellement, si j'étais les parents de cette dame, j'allais me retourner dans la tombe. J'allais me retourner dans la tombe. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas taper l'œil. Il suffit que tu parles d'elle, elle sort. Elle ne sait pas taper l'œil. Elle ne sait pas taper l'œil. Des fois, elle me demande si elle n'est pas en dépression. Des fois, je me demande si elle n'est pas en dépression. Diffamer sur moi qui a osé le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Je viens ici pour répondre à un spécimen au nom de Marlène Avoutou qui a osé m'insulter, qui a osé diffamer sur moi, qui a osé se comparer à moi. Marlène, je t'ai donné un seul défi. Je t'ai posé un seul défi qui est de venir sur Facebook, ouvrir ta caméra et qu'on aille sur info.gouv. Où est-ce que tu as pris le courage, le toupet de dire que tu peux te comparer à moi? Mais où? Pourquoi tu as une telle frustration envers les Bamileke? Parce que dans ta première sortie, tu as dit que j'ose parler, que pour qui je me prends, parce que je suis Bamileke, je me permets X, je me permets Y. Non, moi je suis une bosseuse. Marlène, je n'écarte pas. Je n'écarte pas. Je t'ai donné juste un seul petit défi. Tu es incapable de relever le défi et tu oses prendre ta caméra pour continuer à vociférer des inepties. Une soi-disant intellectuelle qui a raté sa vie dans tout le sens du terme. Tu étais au Cameroun, tu avais les opportunités. Ton père t'a ouvert les portes, mais tu n'as pas pu les saisir. Tout ce que tu savais faire, c'est écarter le nzoutou. Et tu oses venir t'attaquer parce que quand je vais parler, tu vas te consoler en disant « Je ne suis pas un enfant. » Mais dans ton âme est profond, avec tes cheveux blancs sur la tête, tu sais que je suis ton enfant. Tu pouvais me mettre au monde. Marie, si te dérange, mais il faut travailler. Le peuple Bamileke est un peuple de bâtons. N'en déplaise. Le peuple de Bamileke est un peuple de bâtons. Donc, Marlène, si tu ne peux pas relever le défi, tu me fermes ta gueule. C'est simple. Tu dis, j'ai des plaintes pour diffamation. Porter plainte ne veut pas forcément dire que la personne a raison. Porter plainte ne veut pas dire que, mais toi, pour quelle raison tu es parti en prison? Hein? Tu as un sérieux problème avec les Bamileke. Depuis qu'un Bamileke t'a piné, t'a jeté comme une malpropre, tu verses ta frustration sur tous les Bamileke. Tu n'as pas honte? Une pseudo-intellectuelle qui se transforme en clasheuse? Tu n'as pas déjà clashé qui sur les réseaux sociaux? À ce niveau, je me pose des questions à savoir si tu as tous tes sens. On t'écoute, la dame que j'ai fait monter là. Et garde, vas-y. Bonsoir ma chérie, je suis tombée ici par erreur. Tu es encore revenue. Je suis là, j'écoute, mais je ne sais pas comment ça se fait que je sois là, quoi. Excuse-moi, pardon. Pardon, maman. En tout cas, moi je voulais souvent. Avec Marlène et Aïcha, le week-end sera bon. C'est seulement la seule chose qui me fatigue, c'est parce qu'Aïcha, elle n'est pas là, elle est occupée. Elle est dans ces choses.
de divertissement. Si elle était sur place, elle allait nous servir ça. Mais Aïcha, honnêtement, tu vas encore dire quoi, ma soeur? Tu vas encore dire quoi? Là où Marlène est là, le gars là qu'on appelle Kikinette, qui, c'est même qui qu'on appelle Kikinette là? Son nom même c'est qui là? C'est Flore qui l'avait donné que Kikinette. C'est même son nom c'est qui? Son vrai nom même c'est qui? Anango. Anango a détaillé la vie de la fille si déposée par terre. Donc là où elle est là, il n'y a plus rien qu'on peut dire sur elle. Oh, le mari a quitté d'ingénieur à McDo. Oh, le mari a quitté de propriétaire à Chile. Donc vraiment, pour ma part, je trouve que il faut laisser. Il faut laisser. Ok. Les gens de Facebook, je vous laisse. Même Flore de Guy. Oui. Flore de Guy, c'est une femme aussi très classe. Elle ne sait pas, elle n'est pas très vulgaire dans les insultes quand même. On peut lui dire tout. Oui. Même compresseur, elles sont. Mais je vois quand même que les filles de TikTok, de Facebook, là, elles s'insultent, mais elles ne sont pas violentes. Bonjour, ma sister. Non, on a fermé le live là, on est tenté de parler. Tu n'as pas suivi le live d'Aïcha et. Attends, comme tu es venu encore, je te mets un peu un petit goût parce que toi tu es au Canada. Aïcha et sa sœur Marlène. Attends, il était fait, tu vas comprendre. Il faut que je commence vers le début et parce que ce n'est pas bon. Je commence tout par Marlène parce que c'est Marlène qui était l'une des premières à commencer le live, même si ce n'est pas elle qui a lancé les hostilités. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Une chose est sûre, c'est que tu veux monter un tour. J'étais au boulot, bah oui, il faut bosser maintenant. Parce que nous, alors, on a la puissance de rester à rien faire. Lundi, même là, j'étais malade, la gastro voulait me terminer. Ah bon, le mauvais temps, c'est... J'étais malade. Oh. Et si ma reine supporte Pinterest, je ne comprends pas les raisons, mais... C'est qui, ma? Que Malène supporte ma Pinterest. Ah non, je ne crois pas qu'elle supporte Pinterest. Parce que si tu as écouté tout le live, après, elle a aussi un peu clashé Pinterest. Mais le problème, c'est que Malène, son vrai problème, c'est qu'Aïcha est Bamdeke. Tu sais qu'elle est tribale, non? Non. Elle a parlé de tout le monde. Une personne qui ne supporte pas depuis elle que... Elle a parlé de Ruby aussi. C'est des efforts. Elle n'a pas laissé pour baisser mon niveau de langue. Mais... C'est pas pour toi que je parle parce que je m'attends les attitudes que tu as. Tu es quelqu'un qui n'a pas grandi dans un cadre où il y avait l'éducation d'un père. Tu es un enfant, je ne sais pas. C'est pas sûr que ta mère a eu un mari pour t'élever. Parce que on peut ne pas être, on peut faire un enfant et trouver quand même un mari pour élever ses enfants avec. Non, je suis certaine, à moins que tu ne viennes me démentir. Que ta mère n'a jamais franchi le pas d'une mairie et qu'elle n'a jamais vécu avec un homme. Je préfère ne pas faire la même chose que toi parce que des informations sûres que j'ai font état de ce que ta mère est une prostituée. C'est-à-dire qu'elle vend ses charmes en France. Et c'est intéressant que les gens connaissent le métier de ta maman. Parce que moi, ma fille, elle peut dire aux gens ma fille, Cynthia Petit. En fait, Marlène a dit que la petite Aïcha, elle fait le blanchiment d'argent du waka de sa mère, en fait. Et Aïcha a dit qu'elle, elle attend ses mains Marlène pour aller vérifier leur patrimoine sur quoi, là, le site. Ce qu'elle a dit là, je t'avais pas, on n'avait pas déjà parlé de ça, toi et moi. Ma mère a dit ça. Mais les gens disent que c'est impossible. Le blanchiment d'argent, c'est impossible en France. Moi, je connais une cousine à moi qu'on a rapatriée à cause de ça. Je ne veux pas parler. Ça fait, elle a fait 4 ans de prison en Suisse. Elle vivait en France. Elle partait pour faire ce que tu es en train de dire là. Après ça, on l'a arrêtée. Ensuite, tu connais les Suisses, non? Ils l'ont fait. Elle a fait 4 ans de prison. Je te raconte une personne. Ah que oui, je... son Kaolo est fini pendant qu'elle était en Gata. Merci beaucoup. Et maintenant, tu connais alors les Watts. Maintenant, le Watt en Gangan
pour renouveler, parce que pour que parce que son carole était à Bolé, non, elle était marée au Watt, tu vois un peu, nous. Donc il fallait que le Watt vienne signer que je Ekem sur moi, je prends les engagements, tu vois, non. Pendant les 4 ans là, le Watt, lui, il était avec un autre gars, il a gang d'aller signer. Et on l'a rapatrié alors qu'il était d'ici là en Afrique depuis peut-être presque 1 an et demi. Elle était dans le monde là. Oui, mais vendre le Ndongo et blanchir l'argent du Ndongo, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas blanchir l'argent du Ndongo, peut-être comme elle dit. Moi, je parle parce que c'est elle qui m'avait spécifié que la personne là faisait ça. Ici, c'est pas elle, là, parce qu'ils se croisaient là-bas. Que la matelle a fait ça. Oui. Mais ça doit péter sur les réseaux sociaux, non, ça ne se cache pas. Juste à ce oui, la matelle a déjà beaucoup de dangers sur les réseaux sociaux. C'était d'abord le gars, que Achille là, le gars de confesseur, que c'était d'abord le gars de la matelle de Aïcha. L'angalap. Oui. Il dit que la matelle a bouffé. Ça date des années, elle avait bouffé une tontine qu'on avait mais même. Mais il ne s'agit pas de la mère là, il ne s'agit pas d'elle, ni qu'elle vend le pire. Mais il s'agit qu'elle dit que la fille s'y fait le blanchiment. Non, donc, en tout cas, moi, je connais. Moi, il t'avait dit la version comme moi, on m'avait dit là. Le reste, là, chacun sait ce qu'il fait pour avoir la Yangambe. Ouais. Si la matelle, est-ce que la matelle, là, c'est une professionnelle là-bas. Elle est même amie avec Ngossa. Oui, c'est ce que j'ai dit que. Il y a même un truc qui est sorti disant que le gars de Achille, le gars de Ngossa. C'était d'abord le gars de la matelle. Il faisait les tcha-tcha. Mmh, on avait même pris les tcha-tcha. Il vendait les sacs à main. Il faisait le tcha-tcha. Il payait les sacs à main. Les filles partaient revendre, acheter à moins cher. Là. On a envoyé aller récupérer le sac du tcha. C'est comme ça qu'elle a arraché. À l'époque, quand j'étais à Bey, qu'on avait publié la matelle ici. Là, non. On a publié la matelle. C'est avec les habits du work ici. Là, non. On a publié la matelle sur Facebook. Quand Facebook était encore que. Donc les filles, les mamans là font venir leurs enfants en bain. Et les enfants là ne deviennent pas grand chose parce qu'elles ne les apprennent pas. Elles n'ont pas le temps de les envoyer à l'école en fait. Mais est-ce qu'elles sont d'abord, c'est quel argent qui les envoie en bain? Les enfants là ne peuvent pas réussir comme les enfants des wesh, non, comme non, les non, enfants. C'est rare vraiment. De parce voir. Qu'elles sont dans le tchoum. Oui. Elles n'ont pas le temps de s'asseoir et dire que bon, moi je suis venue peut-être, je fais moi aide soigner, mais toi tu seras aussi médecin. Non, non. Mais à l'époque, quand elle vivait avec elle, elle se plaçait. Tout le monde connaît sa bouche là, même sur sa mère là. Elle n'avait jamais respecté. C'est maintenant qu'ils ont un peu les bonnes relations parce que tout le monde est déjà de son coin. Sinon, à l'époque, c'était le spectacle. C'est pour ça que Marlène, elle a dit qu'une maman est partie. Parce qu'il y a toujours des gens. Il y a les gens qui connaissent très bien. Ils sont toujours prêts à venir verser leur vie. Il y a tous les gens prêts. Et je sais qu'elle le sait. Malène a dit il y a une maman qui était là-bas qui est partie pour lui donner le fax. Il y a toujours les... Parce que la mère, là, n'est pas novice. C'est une capille de capille dans ce domaine-là, là-bas. Elle est bien connue. Beaucoup de gens connaissent. Oui, mais sa fille a quoi y voir, ma? Sa fille n'a pas choisi le même chemin. En tout cas... c'est toi qui le dis. Ah, c'est ça aussi. Est-ce que je connais maman? Parce que tu sais aussi dans la vie, quand tu as les problèmes avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes, tu vois, non. Les 5 personnes, les 6 personnes ont même presque le même raisonnement focalisé sur la même chose. Oui, ce n'est pas la première fois que quelqu'un dit ça. Même quand. Nivakine même. Il y avait même les gens prêts dans le direct de Nivakine. Même quand Mamie Ton est décédée dernièrement, Laure Kamena a dit que c'est la petite qui a mangé. Je dis que les gens sont partis laisser les mêmes genres de commentaires là-bas. La mère est connue dans ce secteur-là. Moi, j'avais eu les nudités de la mère là. Sur Facebook à l'époque, quand j'étais abeille. Moi, et quand la mère a bouffé, elle a aussi bouffé la tontine. Parce qu'on parle toujours de sa bouche et son côté mal élevé, là, et comment elle insultait même la matière, là aussi. En tout cas.
Parce que 1, 2, 3, 4, 5, dès qu'elle a un problème, les gens sont toujours dans le même... Ça veut dire que... Moi, je... Attends, la vie, là, c'est un choix. Je ne dis pas que les... Mais Malou, Malène ne pas répondre à tout. Ah, Malène, même, elle enquête de la visibilité, ma soeur. La visibilité, est-ce l'enquête. Que, est-ce que c'est Malène encore d'avant? Tu ne vois pas que c'est Malène la dépressive depuis... Ah, merci. Hein? On me dit que la dame est dépressive. Tu connaissais Malène d'avant qui était classe, machin. Malène, que la vie lui est tournée le tout, est devenue dépressive. Malène, c'était une autre Pinterest ici, là. Mais on l'avait arrêtée sur Pinterest, non. Tu ne te rappelles elle pas. Elle avait parlé ici, là, que merci Keb. Elle a publié les photos en de la elle décoration. Elle avait parlé que sa maison devait la foutre dehors ici, là. Elle-même, là, c'est les mêmes gens. Mais elle-même, c'est Pinterest même. On l'a arrêtée. Elle était allée prendre des photos d'une madame qui fait les vidéos. Déjà, tu connais les madames américaines qui sont là pour décorer leur maison. Elle est venue publier que c'était sa maison. Les gens ont reconnu la dame. Ils ont... Elle-même, c'est Pinterest. Mm-hmm. Ouais. Mais Malène, à la différence... Non, avant que... même la maison, là, quand elle était au Cameroun, là-bas, elle disait que là où elle habite, c'est chez elle. Oui, 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 oui. Après, sa soeur est venue la mettre dehors, là. Alors qu'elle prend le taxi. Tu vois, Malène, mais à la seule différence, c'est Malène, elle envoie ses enfants au school. J'ai que si elle-même, elle est mytho, ses enfants ne seront pas mytho. Maman, mais elle dit que sa fille est née aide-soignante. Une personne qui a fait le school va faire quoi, aide-soignante? C'est aide-soignante, c'était pas infirmière avant. Ouais! Anango a sorti ici par A plus B qu'elle est aide-soignante, elle n'a plus nié. Parce que moi, je disais qu'à l'époque, elle partait à l'école, machin, machin. Ouais, elle est aide-soignante. C'est vraiment une personne. Je peux te dire que depuis que son affaire du Cameroun qu'on a mis dehors, là, tu, moi, je suis souvent comme ça. Dès que après ça, il dit que non, je te classe seulement, je ne te suis plus. Donc, tu n'as plus de crédibilité. Elle est aide-soignante. Anango avait tout mis dehors. Donc, elle a dit qu'elle partait pas. Tu sais quand même que son gars travaille à McDonald's. Mais j'avais vu Anango sortir tout ça là, non? Oh, c'est pour ouais, ça que moi, elle est classée. C'est pour ça que moi, elle n'a su vraiment plus partout. Anango qui l'a lavé, parce qu'elle est partie chercher le travail. Aujourd'hui, elle dit à Aïcha Kamoa que je travaille. C'est parce qu'Anango l'avait lavé. Elle est déprimée. Je dis qu'à l'époque, elle faisait les classes avant Anango. Moi, je sais qu'elle est déprimée. Parce que après ça, elle a voulu, comme elle faisait là, elle mettait dans un coin, elle ne montrait pas elle-même. Tu connais alors les caméras si c'est parti sur elle. Maman! C'est là qu'elle est compliquée. Ça ne va pas mentalement. C'est là que... Ça ne va pas. Non, que ça ne va pas mentalement. Mais tu sais que l'être pauvre n'est pas facile. Nous, on est habitués à la pauvreté, ça ne nous dit rien. Mais quand tu as placé les millions, maintenant, tu n'arrives pas à manger. La fête qui m'énerve chez elle, c'est que les vrais enfants du professeur, qui sont les gens très, très cultivés et qui sont calmes. Moi, je le connais. Elle est cultivée, mais elle n'est pas seulement calme. Non, elle est... mais c'est l'enfant qu'elle a fait dehors qui est toujours là pour faire la guerre, pour qu'on insulte le monsieur. Les vrais enfants du foyer, même, ils sont ici, ils sont aux États-Unis, ils sont des ingénieurs, ils sont posés. Rien à voir avec elle. Avant, elle faisait comme ça, on insultait les professeurs. C'est comme... On dit que les enfants ont supplié que pardon. N'insultez plus notre papa, pardon. Elle est là parce que quand elle fait les points avec les gens, l'Njomba du professeur et ceux qui connaissaient l'Njomba, il vient s'asseoir. Le monsieur est allé se reposer. Elle l'a insulté. Docteur. Docteur de la Fekafout. Elle voulait être la Fekafout. Elle avait bagarré là-bas. Elle avait les anciens. Malène, même elle aussi. Elle a eu. Elle a trop versatile. Je voulais même t'envoyer la vidéo. Tu ne sais pas ce qu'elle a encore fait. MRC aussi, elle a déposé là-bas. Est-ce que tu as même vu la vidéo où il chante en France en disant qu'il ne rentre plus? Il a dit que le monsieur s'y est trop bipolaire. C'est ça que son affaire. Oui, il y a la vidéo là-bas quand il chantait qu'il ne rentre plus au Cameroun. Il est en train de chanter un spectacle. Le monsieur là, il mange sa gourmandise. Il croit que l'histoire des nias forcées sur la mineure là. Et il ne connaît pas. C'est là, il croit qu'on a mis ça, ok, c'est fini. Non, et c'est ça que moi je crois qu'il est fou. Parce que à l'heure actuelle, la fille en question, elle est déjà majeure. Elle peut elle-même reprendre l'affaire. Non. Elle a été condamnée pour ça. S'il n'a pas fait ses 10 ans, bah, c'est pas sa faute. Parce qu'il a fait presque 5 ans au Cameroun, non? Presque 10 ans, il a fait 10 ans au Cameroun. Il n'a même pas fait un an de prison.
Oui, mais le Cameroun avait dit qu'il pas fait, il pas subi sa prison. Il pas terminé. Oui, mais c'est pour ça que je dis que je suis contre tout genre de violence, mais ce monsieur a un comportement, elle n'a pas de personnalité. Il mange avec eux, il boit le champagne avec eux. Alors, au début de la campagne, il avait même pris l'argent d'un ministre. Il est bipolaire, ce n'est même pas qu'il est, il est gourmand. Il est gourmand. Il aime tout manger. Il va manger partout. Et c'est là que nous disons qu'il fallait tous pas avec les petites filles là-bas au pays. 50 ou 50 000. Je ne sais pas, c'est pour cela que son affaire n'a pas pris l'ampleur. C'est sa personnalité que les gens ont dit que non, ta toi-même, tu n'es pas sérieux. Tu es là-bas, c'est ta personnalité qui a fait que la vidéo là, n'a pas fait l'effet comme il s'attendait. Si c'était une personne lambda. Oui. Je ne sais pas que la personne a les cadavres dans le placard. Parce qu'au début de la campagne en 2019, il était avec la ministre, si c'est Célestine, machin. Il a même pris de l'argent chez elle. Ou c'est combien d'euros chez la madame. Après ça, il a changé. Dès qu'il y a la nourriture et le vin, il est déjà là. Il vous aussi fait. Il est comme quelqu'un que. Au pays, on dit souvent que c'est comme si tu n'as pas le cœur, mais c'est la gourmandise. Un monsieur qui a plus de 50 ans, il est gourmand, il n'a pas de personnalité à cause de la nourriture, de la gourmandise. Disons-nous les vérités vivantes. Il n'a pas la dignité. Mais disons la vérité aussi, il y a les témoignages d'un gars comme quoi il brutalise. Oui, il y a le témoignage des petites filles. Tu connais même le MSC. Quand il ne va pas appliquer comme il veut, non. On va déclarer ça. L'autre là qui publie souvent, les gens là vont commencer à sortir. Dès qu'il va sortir une fille, toutes les petites filles de Douala là vont sortir. On dit qu'il a toujours été comme ça et maman, voilà le témoignage en bas. Il y a les victimes. Voilà, ouais, une victime en bas là-bas. Donc, pour lui-même, le dossier, il me fait même. Moi, quand j'ai vu l'affaire là, je n'encourage aucune violence, tu comprends, non? Mais ce monsieur, comme on dit, chacun. La violence, même qu'elle a commencé à mourir les enfants forcés, c'est aussi une violence là-bas, maman. Mais oui, c'est aussi une violence. C'est traumatisant à toute la vie. Tu l'as même bien vu avec une femme. C'est ce qui arrive à quelqu'un qui veut manger partout. Exactement, c'est la gourmandise, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est gourmand. Les yeux plus gros que le ventre, là, c'est comme ça, tu dans ta main. Attends, avant qu'il ne parte en Europe, là, il était dans les directs avec la députée Mami Nyanga, à train de boire le champagne, non? Donc, cela, ce n'est pas le même. Il dit que le monsieur, là, n'a pas de personnalité. Il est gros gourmand. Il fallait que sa mère le crête, la gourmandise, qu'on crête quand quelqu'un est encore enfant. Sinon, mais je ne comprends pas, tu es gourmand, mais il faut te marier, la femme va te faire un maturation. Et tu le vois, il aime les petites filles. Il aime les petites filles. Ce qu'on a condamné le monsieur là, non, il a continué ça au Cameroun avec les petites filles. Oui. Il n'aime jamais les femmes de son âge. Mais tu as même dit ça que. Il a même dit ça que. Il prend pas les filles en tout ça, 50 000. Mais oui! Le matin, la fille le réveille que tonton. De tu n'as pas vu sur les réseaux là. Moi, j'ai dit même que les. Pas d'âge à 9. Tu vois les gens du Cameroun. Tonton. Ça, si quelqu'un l'appelle tonton, ça veut dire que c'est les bébés, les petites filles là. Moi, il t'a dit que les gérants du Cameroun sont même trop gentils avec lui. On a vu les petites filles arrêter ici la côte de la Tuspas et tout ce qui va avec. Tu as parlé comme moi. J'ai dit que c'est parce que c'est leur personne. Ce n'était pas leur personne. Parce que c'est qui est en train de faire là? Le Kaolo, là, il est encore affiché. Donc, les gens qui l'ont conseillé, là, non. Le Kaolo, là, ne va pas sortir. J'espère que tu vas aller vivre au Gabon après. Quand tu fais 10 ans de prison d'Abidjan, parce que ton casier judiciaire est gâté. Parce que, j'espère que tu vas aller vivre au Gabon. Parce que même l'opposition au Cameroun, il n'y a pas. Même le temps que celui que vous avez dit que vous ne voulez pas là a été dehors, au lieu de nous proposer vos programmes, vous étiez toujours à quel de dire qu'il est à Daï. Donc, ça veut dire que l'opposition, c'est zéro. Donc, même si ce n'est pas lui, c'est un autre de son parti qui va prendre. C'est même un aveugle voix. Parce qu'il n'y a rien que les gens nous proposent. Le temps qu'il était en vacances... Même si on entend nous monter, c'est la distraction que c'est pas... Mais oui, le temps qu'il était en vacances, c'était le moment que l'opposition devait monter pour nous proposer alors les bons plans. Lui, il dit qu'il est d'ail, mais qui ne va pas d'ail? Mais vous n'allez pas... Est-ce que c'est un problème? Si il d'ail même, c'est bon. C'est le moment maintenant de nous dire ce que... Mais venez nous proposer. C'est ça que j'ai dit que Biya, même c'est lui qui crée le buzz, c'est le chef du buzz avec son silence. Mais lui, c'est un buzzman. Et puis sa fille n'est pas petite dans l'affaire du buzz. Hein. Là, voilà qui dit que c'est mort. Les gens commencent, les gens. Mais lui, elle accompagne, non? J'étais fini, derrière, elle s'est habillée en noir, elle a tiré sa perruque. Elle dit d'ailleurs. Elle a écrit avec les lames, c'est ça. Les gens ne réfléchissent pas pour connaître que c'est le titre de la chanson de la Merci.
Ils sont derrière, en train de crier, en train de crier. Ouais, vous allez voir, hein. Le pays là est une sereine. Je me suis rappelé que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça quand les élections arrivent. Déjà qu'il go quelques mois après ça, les gens commencent à tout et leur opposition bracata tombe dans les mêmes pièges. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. C'est juste la discrétion. Ce sont les gens qui accompagnent. Il faut me laisser les choses là. Pardon, toi-même va arranger la situation au pays. Non, tu es petit, tu peux parler de ça. C'est un homme, non? Il n'est pas possible. Il fait partie des gens qu'on attend les élections. Il doit être candidat, non? Il doit être quelqu'un. Ils sont. C'est que l'autre a dit. Mais ils savent tellement parler des buzz comme ça là, pour aller se positionner, pour montrer un contrat, ils sont nuls. Hein? Dès que le celui qu'on a dit qu'il est d'ailleurs rentré, il fallait chercher une autre chose. On a envoyé la vidéo. La vidéo n'a même pas fait. Non, la vidéo là, ça n'a pas fait. On parlait même de ça. On disait que mais. Moi, j'aime souvent les sorties de la panthère. La panthère, quand j'ai vu ça, j'ai pris le cul dans elle. Dit que nous, les lions indomptables, on aime manger parce que nous, les lions, nous sommes les carnivores. Quand il est suivi l'histoire, il dit que la fille de l'autre. Moi, j'ai fille. Il dit que pardon. Demande ton Kaolo, tu es trop bipolaire, tu mailles trop partout, tu n'as pas de personnalité. L'homme, c'est sa personnalité. Et toi, tu es un homme gourmand. La gourmandise d'une grande personne. Si tu veux voir une grande personne qui est gourmande, il faut regarder les vidéos de Longueur. Longueur, c'est sorti. Et il mangeait même comme un sauvage, la bouche. Il mange tout. Si tu veux voir donc, comment un homme est gourmand. Même dans la nourriture. On a raté l'éducation, que le genre qu'on tape souvent les petits garçons là. Regarde Longueur, Longueur. C'est là que ça n'a pas vraiment, parce que tout le monde disait que mais c'est pas avec ces gens-là que tu buvais l'autre jour, là tu faisais les directs. C'est pas avec ces gens-là que tu parlais. Les vrais hommes d'avant, avant n'existaient plus. Les hommes d'aujourd'hui sont tous devenus des femmelettes. S'ils ne commentent pas, ils sont devenus des blogueurs pour gagner. Moi, tu parles. Le même jour qu'on a publié la vidéo, là, il n'était pas là-bas, Pangoumgoubaké le bois. J'ai dit qu'il est gourmand. Et je n'ai même pas vu Pangoungou poster mais une seule vidéo de tout ce qu'il a eu. Il était là-bas avec le bois, le champagne. Il est... Vous voyez que Pangoungou, c'est les gens de là-haut, là-bas. Hein. Et il est gourmand. Il était même avec David et tout le monde. Personne n'a fait... Tout le monde a compris que lui, c'est la nourriture. Et comme alors, en France, là-bas, la boisson n'est pas... On va lui donner à manger à boire. Un euro ici, tu as ton mousse. C'est ça. Donc, comme il aime la nourriture, là, c'est ça qu'on va lui servir. Ne soyez pas surpris qu'il revient quelques mois plus tard, vous dit que la vidéo là c'était de la manipulation et il repart de l'autre côté parce que où il y aura la nourriture, c'est là-bas qu'il serait parce qu'il n'a pas de personnalité. Tu le monde entier a dit qu'on va enquêter sur ça. On va enquêter sur ça. Les hommes d'aujourd'hui, les hommes camerounais d'aujourd'hui, je ne sais pas. Il est le genre que ma grand-mère disait souvent que c'est quoi que le cœur fait vous quand tu vois la nourriture comme ça. On n'a pas travaillé. Moi, j'ai l'impression que c'est les enfants que quand ils étaient enfants, leur maman ne les servait pas bien la nourriture. Quand mais vous avez vos enfants garçons à la maison, pardon, nourrissez-les bien. Nourrissez-les bien. Voilà l'autre qui est devenu là-bas chez notre soeur Ngrenga. Un gars que lui aussi. Et les gars qui mangent tout ont le même ventre. Ils aiment la nourriture. Nourrissez bien vos enfants garçons. C'est comment, Naweti? Hey! Je t'ai dit, moi j'ai vu ça, j'ai dit, moi je ne suis pas pour la violence, mais c'est monsieur tout ce qui arrive là. Moi-même, je ne suis pas pour la violence, mais je suis encore moins pour ceux qui... Mais tout ce qui arrive là, c'est lui-même qui cherche. Je suis encore moins pour ceux qui niassent forcer les enfants. Toi, tu niassent forcer un enfant, n'attends pas que moi... Non. Moi, ce côté-là de lui, là, c'est ça qui fait que moi, je ne suis pas vraiment... Il chante bien, mais je suis sa personnalité vraiment, parce que je vois même que ce qu'on a condamné en France, là, il a continué son Cameroun. Bien sûr. C'est dans lui, il va laisser comment? Il était dit que j'ai reçu les témoignages de deux petites filles. Elles ont peur seulement pour parler parce qu'elles savent qu'on boit là-bas. Tu vas parler, ça va tourner où? Et moi, le MSC qui n'a pas fait pour qu'il sorte la vidéo là, ils vont lui tenir au chantage avec les petites filles là dans quelques mois. Nous sommes sur Facebook, non? Il faut vraiment qu'il reste là-bas sans Kaolo. Il va rentrer encore, qui va lui donner le Kaolo aussi là? Il a oublié même que ces gens qui combattent. Pourquoi il n'est pas même pas demandé son Kaolo au Canada? Moi, je n'ai pas compris. Pourquoi il veut rester au Canada? Il avait plus de chance. Hein? Ah, on ne donne plus alors comme ça. Tout est fermé ici. Non, mais le problème, c'est qu'ici, il y a un casier. Ah, non, il y a la nourriture là-bas et le vin facile aussi.
Mais il y a un truc le vent partout en Benoît. Est-ce que je vous là-bas, tu es cher? Non, sais pas, non, ici, là, les gens travaillent, ils aiment l'argent gratuit. Ici, ils seront bien. Ici, là, il y a les parents Gongo qui vont lui donner la boisson gratuite. C'est ce que je te dis, que ici, là, les gens, pour vivre comme ils veulent vivre, là, il faut qu'ils partent du côté anglophone, où il y a les nanjas et les machins là-bas, ils font bien aussi. Ici, là, ça ne va pas donner. Un de mes critères pour fêter mes amis. Je regarde de près ta relation avec la nourriture. Un homme qui aime trop manger. Un homme qui aime trop manger n'a pas de personnalité. Moi, ma grand-mère, quand on était jeune, j'avais mon cousin comme ça. Elle disait toujours ça. Elle disait que je ne veux pas que tu sois un homme que quand tu vois la nourriture, ton cœur fait tout, 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 tout. Non! Tu n'auras pas de personnalité. Et c'est ça, quand je vois Longue Longue, je te jure, je vois mon cousin là quand on était petit, quand on partait en vacances, je te jure, face à la nourriture et comment il mange. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on peut respecter, même. Mais oui, c'est un génie. Il y a aussi son affaire d'avoir des petites filles là. Quel homme va te respecter? Tu arrives, tu as un bébé. On peut respecter. Voilà, on va dire que les hommes comme Yannick Noah, il a fait l'enfant avec une fille qui a la trentaine. Mais quand tu vois aussi le style de fille, tu vois quand même que c'est la classe. Par contre, oui. Il aime les petites filles un peu, les sales filles, des snack bars qui ne savent pas se laver là. Tu as peur? Ceux qui dansent dans les snack. Oui, il aime les filles qui sont dans. C'est pas la même classe avec Yannick Noir. Quand tu vois la fille que Yannick Noir fait l'enfant, c'est une fille posée, tranquille. C'est une fille posée, propre. Qui ne vend pas l'oreille, qui ne met pas dans les réseaux sociaux. C'est une fille. Les filles propres, là, il faut acheter son savon, il faut acheter son huile. Mais une fille très discrète, elle mérite même qu'avec une personnalité. Tu vois, tu la vois sur les réseaux sociaux. Non, quand je vous dis que les filles qui s'exhibent, quand je disais ici là que Ruby qui voulait les footballer, voilà, que les vrais gens là, ils ne cherchent pas les choses que tu as à montrer. À part si tu fais ça, le haut niveau des actrices là, des oui, si c'est le petit niveau là, ils ne sont pas dedans. Ils voient qu'il y a la dalle. Il faut avoir les petites filles. En plus, même pour lui-même. 30 ans même, ce n'est plus... Lui, il aime les petites mineures. Non, lui, il n'est même pas en 30 ans. Il est dans les filles de 22 ans, machin, oui. Dans les petites moi, filles. Moi-même, 18. Hein? C'était dit, c'est un Didi. C'est pour ça qu'il voyait les gens. Il dit, pardon, vous voulez que les gens parlent. Mais vous êtes assis en Europe là-bas. J'ai aimé quand même ce que Malon a dit, que vous êtes assis là-bas avec vos iPhones. Vous voulez que les enfants de fou sortent. Alors, quelqu'un qui mange partout. Le MSC, là, j'espère seulement que vous allez donner. Parce que d'ici quelques mois, s'il n'a pas mangé bien là-bas, il va lui retourner au RDPC où il mange souvent bien. Et en il plus, les élections arrivent. En plus, les élections arrivent. Le contrat de là-bas, vous l'avez proposé. Mais ça n'a même pas réfléchi. Avec le RDPC, il allait bien manger encore. Le contrat que vous avez proposé deux jours, si j'espère que vous allez respecter ça. Sinon, quand il va voir la nourriture de l'autre côté, le pain sardine, son cœur va balancer comme ça là. Est-ce que tu as vu les artistes comme les Bendeka parler? Est-ce que tu as vu Petit Pays dans les choses comme ça? Non, ah. Même les Bendeka. C'est pour ça que tu vois que les Sawa quand même ont une certaine dignité. Est-ce que tu as déjà vu? Parce que quand ils parlent souvent, je dis, toi parce là... On a beau dire que les Douala n'investissent pas, ils n'ont pas les maisons familiales, mais ils ne mais sont ils ont pas, leur dignité, ils ont leur dignité. Mais faire Douala quand même respect. Est-ce que tu as déjà vu Petit Pays dans ce genre de choses? Non. Est-ce que Petit Pays ne vit pas? Oui, il vit. Est-ce que Petit Pays, quand il veut faire son concert partout dans le monde entier, il ne fait pas? Il le fait. Est-ce que les Camerounais ne le respectent pas pareil? Ils le respectent. Est-ce que tu as déjà même vu Bendeka dans les choses comme ça? Mais Longue Longue, l'éducation de base avec au petit garçon, on a raté. Où il n'y avait pas la nourriture, où il a été élevé, je ne comprends pas. Alors que c'est un homme qui est bosseur, il est pas passé, il est sawa où? Il y a alors les gens qui sont même bafia, ils sont tous sawa, ils sont bakoko, ils sont sawa. Les sawa, même sawa sont... Mais où est le rapport? Hein? Mais c'est un sawa sans dignité, non? Il n'y a jamais de règles. Il y a des exceptions dans toutes les règles. C'est un sawa, c'est... Je ne sais pas, c'est... Il s'attend même d'abord avec un sawa même. Il a son agent. Je ne sais pas pourquoi avec son argent, il ne peut pas s'acheter à manger. Il ne peut pas d'abord prendre une femme digne de son âge, d'un père de 50 ans. Et là, c'est bien. Tu te souviens ici, là, il y avait un truc qui était sorti chez Zui là-bas. Il y a quelqu'un qui avait le snack. On avait associé le nom de Perdita Choco sur ça. Il y avait les vidéos là où les petites filles là dansaient. Alors, la petite fille de 15 ans là qu'on avait versé l'eau. Oui. Maman, il y avait les vidéos où ton frère, le gars part toujours là-bas dans les endroits, il y a les petites filles. Mais il y a les petites filles. Il y avait les vidéos, elles étaient dedans.
Il aime toujours où il y a les petites filles. Les moins de 25 ans, là, où c'est là-bas où il y a le secret de sa vie. On va comprendre ce qu'il fait. On va le verser ici devant nous tous, non? Nous sommes, moi je suis, il est juste, il dit que moi, il dit que si vous ne respectez pas le ventre, parce que lui là, c'est son ventre, si ça ne va pas marcher, ça va nous couper. À quel âge quelqu'un doit aimer le ventre comme ça, Nia? Même si il était gourmand, qu'il n'y avait pas la nourriture chez eux, depuis qu'il est parti en Belgique, il a vu toutes ces nourritures-là. Ah, pourquoi il a des choses? Il a l'argent et puis il y a la nourriture et puis il y a la femme. On l'a fait pour aller chanter dans les gombos, dans les gombos du parti politique RDPC. Il part. Il est yabassi. Eh hein. Oui, blague à part. Comme il aime le tchotchoronga, non? S'il reste ici, il va à Rougongata. Oui, il va à Rougongata. Et maintenant, il a oublié les gens qui ont payé sa caution là pour qu'il parte machin. C'est ça, pareil, il n'y avait pas aussi les... Le monsieur là, il vous dit que dans ce monde, éduquons vos enfants avec la persona. Il dit que le monsieur là, il est... Je ne sais pas, pour moi... C'est cela même qu'il n'est pas où il doit être. Il est trop léger avec l'affaire de la nourriture là. Il est trop léger. Il est parti. Voilà les photos qu'on montait là-bas avec les ministres là-bas. Hein, après, les chanter. J'ai dit que le monsieur là. Ok, bon, t'écoute. Moi, je le risque les mains. Quand les MRC vont le déposer ici. Hein, quand on ne va même pas le donner. Va le dégoûter. Tu sais qu'avant qu'il ne sorte la vidéo, là, le MRC était dans la tête et dit que. Oh, lui-même, on ne connaît pas là, comment il se positionne. Un coup, on le voit avec la vie des taux. Un coup. Ça va, il aime manger. Il dit que le jour même pour la vie. Parce qu'il a d'abord une fille. Est-ce qu'il va d'abord une la femme? Il veut les petites filles. Les petites filles aussi, il ne les touche pas. Il ne les touche pas. Quelle petite fille va t'accepter aussi? Touche pas la maman. C'est que le jour même qu'on a publié la photo, là, il était chez Pangoungoub là-bas. Pangoungoub n'est pas du RDPC. À qui de boire le champagne? Est-ce que Pangoungoub va encore le recevoir? Mais il a reçu dernièrement, là, le jour même qu'on a publié. C'était avant. Ah. Tu vas le voir où il y a la nourriture, je te dis la vérité. Moi, je ne sais pas comment tu peux aimer. Tu travailles ton argent, mais c'est la nourriture que les autres te préparent chez ceux qui te plaît. Il m'a toujours. Tu as vu qu'un artiste camerounais mangeait au degré en route. Tu le vois souvent sur sa part. Il m'a toujours en route. Hein. Il n'a pas la femme à la maison. Il va manger à la maison. Qui va cuisiner? Il m'a toujours en route. Il n'a pas la titulaire. Lui, il aime les filles des voyous filles là. En tout cas, il y avait une fille qui avait dit que c'est un bon payeur, mais quand il n'a pas l'argent, après il dit que les petites filles la fouillent souvent ses poches quand il les souffle. Il dit qu'ils t'ont raté même, ils doivent être versés même. Il se plaint que les petites filles la volent. Oui, qui fouille souvent ses poches. Quand on avait la vidéo, que Dieu avait mis que la petite fille disait qu'il doit payer l'argent, là, il dit que les petites filles là, quand ils dorment, ils finissent souvent. Je dis que tu n'as pas encore vu, soit tu ne veux pas te respecter. Il n'a pas de personnalité, c'est pour ça que son affaire est passée, parce que tout le monde a dit que ce sont tes complices. Tu veux qu'on dise quoi? Toi, tu es là-bas, tu n'as pas de personnalité, allons-y. C'est comme le bangaman qui fait les vidéos là-bas aussi. Lui aussi, il mangeait, ce n'est même pas comme moi-même, je le voyais. Hein? Quand il était au Cameroun. Oui, dans la clinique là. Oui! Il mange même mal. Il dormait là-bas. J'espère que les filles ne l'embrassent pas sur la bouche. Eh, vraiment, les femmes, les jeunes enfants aujourd'hui aussi. Devant le il était toujours là-bas chez mon oncle là. Je te jure, Dieu. Quand il voyait les insultes ces gens-là aujourd'hui, il dit. J'ai dit ça que tous ces gens-là. On finit de manger. En fait, c'est les gens que comme ils ont fini de manger de l'autre côté, ils veulent venir manger le côté-ci. Non, oui. Et que quand... C'est les gens qui sont bêtes. C'est les gens qui les suivent qui sont bêtes. Parce que eux, là, c'est la politique de leur ventre. Quand c'était bon, eux, ils ont appelé qui? Malos lui avait même dit que le rôle que tu as là, on était venu me proposer l'argent, j'ai refusé. Toi, tu as... Il avait dit ça. Il a dit que je vais être libre, que quand il fait mes sorties, je ne dois à personne. Il a dit ça à celui qui est à la clinique là. Celui qui est à la clinique là, on l'avait même embauché à l'époque où on a pris Edoudoua et Kopo. Il travaillait à Camtel. Il était toujours là-bas en Bangkok. On avait dit ça.
à faire de demander l'argent. Aujourd'hui, quand il insulte ces gens-là, je dis, la terre, c'est ça. Tous ces gens-là ont mangé là-bas, je ne supporte personne. Il regarde comme une respectée parce qu'elle dit que les gens n'ont pas de kilos. Il regarde comme ça, il dit que vous avez mangé avec ces gens-là. Même un temps, la Calibri, tu avais suivi la ministre, elle avait dit qu'il faut qu'il parle au pays, il va faire le deuil de sa mère. Tu sens que ce sont les gens qui sont sur les intérêts personnels. Mais tu sais, moi, je dis toujours aux gens, moi, je crois que la politique, c'est un débat d'idées, c'est pas un débat de violence. Donc, il faut... Nous avons d'abord une façon de faire la dictature. Là. Dès oui, c'est ça qui n'est pas... Ça ne les arrange c'est pas, pas la politique. Ils commencent à te dire de faire attention. Et qui... oui, c'est comme si on te dicte. Alors que la politique, c'est un échange d'idées, d'intelligence. Moi, je suis quelqu'un de... Et puis, il faut que les gens sachent une chose. Quand vous dites aux gens de faire attention, là, il faut savoir qu'il y a des tribus au Cameroun, qu'eux, ils ont d'ailleurs lutté le maquis depuis. Dans leur cerveau, c'est-à-dire que... Vous ne pouvez pas venir imposer aux gens un truc... Hein? Parce que Bruno Bidjan, on est venu ici avec une histoire ni technique que. Un homme sait que sa femme le trompe avec son ami, il continue à mourir. Au débat, même quand il a annoncé, il a dit que c'est une histoire d'indoption choisie. À la fin, c'est une histoire de qu'on a pris l'engagement. Tu vois que. Il dit que le gars là. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'au départ, quand il vient dire que le gars était avec sa copine, il dit bien que. C'était une amie. Au départ, il n'habitait pas avec la dame. C'est quand, parce que s'il avait habité avec la fille, quand la fille allait retrouver le gars en Balmayo, il n'habitait pas avec la fille habitait encore de son côté. C'était voilà. Ça. Il a su maintenant que la fille Nias avait son amie. Est-ce que ça l'a empêché de proposer à la fille d'aller habiter avec lui? Non. Parce qu'au départ, bon, merci Yudé. Au départ, quand la fille part à Sanmedima, elle n'avait même pas la crédibilité. Elle part à Sanmedima sans lui dire parce qu'elle n'habitait pas même maison. Elle arrive là-bas, elle trouve que le gars n'est pas. Mais le, tu connais déjà que ta copine te trompe, elle fait porte-porte. Ça ne t'empêche pas de lui proposer de venir. Oui, je te dis, le vrai macabre du gars là, ce n'est même pas la femme. C'est qu'on ne l'a pas embauché à Vision 4. Ouais, il a fait les stades de pré-embauche. C'est ça. Mais Marie, il a dit un truc là-bas que le gars. C'est ça son vrai macabre. Il a dit que le gars là, le ndomoyait par derrière. Le gars là lui avait promis, l'avait amené faire les pratiques. C'est ce qu'il a écrit, mais il n'a pas dit. J'ai l'impression qu'il a eu honte d'écrire, de parler certaines choses dans sa bouche. Non, c'est que. Donc, ce n'est même pas l'annonce de l'affaire, ça montrait que l'annonce de l'affaire, même, c'était comme si lui, que Bruno était une dope. C'est pour ça qu'il dit que le monsieur aussi qui a la parole, il est un menteur. Il fait même que sa crédibilité a baissé, même à cause de ça. Oui, parce qu'à un moment, sa crédibilité a beaucoup baissé. Oui. Tu sais, moi-même, ça ne m'a pas dérangé. Bon, je me suis dit, ça peut arriver. Il a posté sans avoir écouté, ça peut arriver. Mais là où. J'ai confirmé que lui-même, il n'est pas net. C'est quand non. Il a reposté les parties que... Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Parce que Attends, il a reposté les parties qu'on n'entendait pas. Et pour clôturer, il a fait le live encore pour expliquer. Donc, une histoire de dire que lui-même, il a trouvé que la vidéo avait lieu d'être. Yeah. La vidéo, là, n'avait pas le sens de l'annonce de l'affaire. Parce que l'annonce de l'affaire, c'était qu'on nous disait qu'il fait les ciseaux, non, qu'il prend le savon devant. Mais à la fin, on ne nous dit que c'est une histoire d'un gars. Moi, j'ai même, en conclusion, moi, j'ai compris que c'est le gourmet d'une parce qu'on n'a pas embauché et ils ont work ensemble. Oui, on l'a promis, la poche. Vaccinée, avant de te tromper, elle était chez elle. Quand elle t'a trompé, tu l'as amenée chez toi. Vous avez continué à tourner ensemble. Elle est partie, ça fait 2 ans. 2 ans qu'elle est partie. Tu viens pleurer quoi maintenant, là? C'est ça. C'est ça que j'ai dit. Mais il faut aussi que certains... Et il faut aussi qu'on parle quand même aussi. Il faut que certains hommes aussi, certains frères... Marlène a parlé à Bruno hier, j'ai aimé. Elle a dit que tu sais, quand tu pars déjà au Ngata, tu sors, ça veut dire que ça donne un avertissement. Et elle a dit que même si on t'a mis dans des choses, tu ne peux pas quand même sortir avec l'ami de ton... La femme de ton meilleur ami. Tu filmes, tu lui envoies les vidéos, comment tu as entré le nias par derrière. Qu'il faut faire attention, sors là où tu es. Si là, voici derrière le deuxième avertissement. Le troisième avertissement, tu risques de go-go. Elle lui a dit... Le problème est que... Elle lui a dit que... Toi-même, tu es d'abord bizarre. Tu te maries avec une femme que... On dit qu'elle a participé à la rive de quelqu'un. Les trucs comme ça. Elle lui a parlé, Emma. Le choix... Moi-même, je n'avais pas compris le choix de Bruno avec...
Ça veut dire que ils étaient en train de quand mon camarade là voulait je veux pas voulait sortir avec lui aussi, il était dans le dossier là. Parce qu'il n'a jamais compris, hein. Il n'a jamais compris. En tout cas, moi, je comprends. Une fois même que tu travailles, elle contrôle ton travail. Elle part carrément appeler le patron pour que le patron chasse une autre femme. Alors qu'elle sait... Ah, pardon. Il y a les choses. Il dit que lui, là, il gâte son travail tellement avec... Il est... Et pourquoi ils ont sorti ça? C'était la période qui disait que le Ngom Nala est d'ail, non? Et que Bruno, lui, l'a affirmé que non, il n'est pas d'ail. Il fallait qu'il sorte quelque chose pour le dessin. Et c'est ce qui gâte son travail. Parce qu'il est toujours à mort déjà, il se venge. Et toi, là, ben, toi, tu ne l'as jamais. Mais ça, là, même, ça n'a rien fait à son travail. Parce ça n'a rien fait. Et la fille est majeure, vaccinée. Elle fait ce qu'elle veut. Il y a les femmes au foyer même qui donnent le boda. Là, on a vu ici avec Vivi. Vivi se vante de donner le boda. Est-ce qu'elle se gère? Il y a les femmes au foyer. C'est là, leur mari ne les porte pas. Qui... Maintenant, elle est à Paris et qui. Le mariage, le mariage même. On a dit, le père là, a dit qu'on peut avoir le menteur patenté là pour que si on est vierge. Il avait raison, c'est lui qui disait que les machins des vierges. Quand tu vois même KSBU, tu vois l'hypocrisie dans la ma vie. Ma fille Diana avait dit que KS là, non, ce qu'on voit et ce qui est, c'est deux mondes. Mais oui, c'est ça, moi je vois ça. Avec ses sourcils, un bracata. Il avait, Aziz 47 avait dit que si jamais. J'ai pensé à toi, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il y a un clash maintenant entre Debordo et Baby Philippe? Oui, il y a un clash depuis, il y a un froid. Mais Baby Philippe ne répond pas. Baby Philippe avait dit qu'il ne travaille pas avec Debordo. Oui, il a été décisif. Il dit qu'il a demandé pardon et tout, bref. Non, il a trop fait. Bébé Philippe, c'est quelqu'un de très réservé. C'est... Maman, il a fait son mariage chrétien, il n'a pas lui fait non, le non, non, il n'a pas lui. Il n'est pas lui dans le ventre de rêve. Mais Malox aussi, c'est quoi avec sa sœur? Sa sœur est partie. Là, tu sais que sa sœur, présentement, il avait signé avec un agent qui est de l'autre côté chez les voisins, non? Donc, présentement, elle est chez les voisins là-bas. Maintenant, elle est partie dans une émission radio où on dit de choisir la question avec qui peut faire le fit entre l'autre et l'autre. Oui. Mais moi je peux aimer vu la situation et vu comment les voisins ils font souvent. Un voisin ne peut pas prendre quelqu'un d'en face. Il va prendre sa personne. Il a non, pris moi, le je n'ai pas, moi, ça, je n'ai pas trouvé de problème à ça. Il a pris le leur au côté. Bon, maintenant encore, ce qui les a empirés. Attends un peu, ce qui les a empirés, c'est juste que tu sais que les caméras étaient sur le coach Mbrakata qui n'a plus de visibilité là, qui cherche la visibilité. Moi, je ne voulais même pas qu'on le calcule, on l'a trop calculé. C'est pour ça qu'il n'appelle pas son nom, le coach Mbrakata. Et maintenant, le coach Mbrakata, comme il cherche la compassion où il déprime déjà, il a fait une vidéo avec la chanson de la petite sœur nationale. La petite sœur nationale a poussé les caméras. Il faut aller lire les commentaires là-bas. C'est là où Malos a dit, et comme Malos aussi, ça fait pas deux jours qu'il avait dit que vous allez voir que l'affaire du coach Mbrakata, là, ça serait les Camerounais contre les Camerounais. Malos a reposté que voilà ça que la petite sœur nationale a déjà fait. Parce que la non, petite sœur nationale... Attends, je ne comprends pas. La vidéo que la petite sœur nationale a postée là, ce n'était pas elle qui a rajouté... Sa chanson. Non, c'est le coach Mbrakata qui a posté ça hier sur sa page. Ah, c'est lui qui a posté. Oui. Okay. Tu sais, moi aussi, j'ai vu la vidéo là. Moi, j'ai vu la vidéo là sur la petite scène nationale. Le coach Mbrakata, oui, tu m'appelles. Le coach Mbrakata. Bonsoir, Mercedes. Ah, bonsoir. Le coach Mbrakata qui a posté ça, yo. C'est lui qui a posté, Ren. C'est lui qui a posté. Jusqu'à il est devant le verre de tout. Il mais est-ce que la chanson là même? Est-ce que la chanson là même? Moi, je crois que c'était la fille qui a ajouté. Parce que la chanson là ne donne pas avec. Non, c'est lui-même. C'est lui-même. La vidéo est trop douce. Ça, il dit que le coach Mbrakata déprime. La popularité le donne. La vidéo là est trop douce. Ce qui m'a plu, c'est Eka lui a fait bim, une fois. Oui, oui, ça, maman, elle a pu faire ça. Moi, je à tabelle, à Bonnier, oh, Red. Je dis que c'était bon à moi jusqu'à. Tu sais que Eka, elle est là quand même, dit quelque chose comme moi.
ça, les gros bracata des réseaux sociaux, non. Ce sont les gens qui sont en manque d'affection. Non, mais moi, je ne comprends pas. Le gars là a mis la chanson de la fille là, pourquoi? Parce que la chanson de la fille là, c'est une chanson qui n'est pas douce de base. C'est juste la provocation, moi, il dit que c'est la fille. Moi, j'ai vu ça dans le style de la provocation. Je ne savais même pas que la petite soeur a... Moi, j'ai vu ça dans la provocation, je suis passée. C'est maintenant que Mercedes parle, je comprends qu'il a mis ça, la petite soeur a mis ça. La petite soeur a mis ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Tu ne vois même pas que la petite soeur nationale est déjà que dès que les gens sont à gauche, elle est à droite. Tu n'as pas remarqué ça? Ma, parce qu'on ne la reçoit plus là-bas, tu sais qu'elle... On ne la reçoit plus parce qu'elle aussi, elle est nette comme le bon longuet qui va manger pas. Attends, c'est une opportuniste parce que... Oui, elle est une opportuniste. Elle peut manger encore, tu sais pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle ne peut pas parler à la mère. Tu connais la mère, non? Oui. Oui. Parce que c'est Nyara qui est assise là-bas. Non, je prends juste l'exemple pour dire que ils ont été... Attention à la musique, fais attention, le mari de ma femme qui était l'ami de la première. Non, l'ami même, Agnès, c'est aussi l'ami de la première. Le problème, c'est que celle-là a mal parce que elle n'a plus accès au mangement. Celle-là même, il y a plus. Non. Celle-là même, la petite soeur nationale, elle n'y a pas avec celui qui dirige le Cameroun actuellement. Elle-là même aussi, elle a celui qui écrit les hautes institutions là, elle est niaisée par elle. Elle aussi, c'est comme Longa. C'est quand elle a fini de chop, parce qu'elle veut chop des deux côtés. Et là-bas, on a vu que son ébamba est trop. C'est là qu'elle est partie de l'autre côté. La petite soeur nationale là, même, elle aussi, c'est le matin. Là, comme tu avais suivi là. Quand elle chantait là-bas au palais, elle chantait, c'était bien, non? Il a dit que les gens là, personne n'aime le Cameroun, chacun pleure que parce qu'il n'y a plus accès au mangement. À l'époque là, elle avait même tout un festival qu'elle faisait, elle était bien, elle était avec eux, elle chantait au palais, c'était bien. Tout parlait même pas, c'est là, le Cameroun, tout le monde pleure, c'est des intérêts personnels. La maman d'Achille et Mana. Elle-même, ces gars sont versés là-bas. Est-ce qu'on va avoir un truc au bois là-bas? Tu as vu que la maman d'Assi est malade, elle est vraiment décédée. Elle a même dit que j'ai chanté pour toi, paix à ton âme. Non, le mari, je vous dis, est-ce que temps-ci, parce qu'elle a sorti son album? Le gars n'a pas 5 francs, on va encore parler. Quoi. Parce qu'elle veut sortir son endroit ces temps-ci, elle veut gratter un peu les voisins. C'est pour cela que tu vois qu'elle est bipolaire. Elle est très opportuniste. Elle dit qu'elle n'est pas vraie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas intelligente. Parce que quand il y a les gens qui sortent les futurs. Regarde comment ils s'appellent. On s'en fout fait avec maman diplôme. Elle se soutient. Mais celle-là ne soutient pas, elle ne partage pas. Elle a essayé avec Bibi Philippe, elle n'a pas... Elle veut qu'on la fabrique chez les voisins. Oui, elle est même chez les voisins présentement. C'est pour cela qu'elle est comme ça. C'est que tu comprends qu'avec le temps, non, c'est qu'on l'avait cité, ces anciennes soeurs-là, on dit là qu'elle est tout pour elle, rien pour les autres. Là, c'est vrai, c'est visible. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'elle avait tenu la main de Palapala ici. Non, mais elle est tout à terre. Non, elle est tout pour elle, rien pour les autres. Avant, elle supportait, mais... J'aime pas ses sorties. J'aime pas les gens qui font que quand elle a fini de manger là-bas, elle a gâté ses coups. Elle devient comme... Il n'y a qu'une seule qui évite de faire ça dernièrement, là. C'est Palapala Woman. Palapala Woman, on dirait qu'elle a encore sa mangeoire là-bas. Parce qu'elle évite. Mais elle-même, là, elle n'a pas été invitée là-bas beaucoup comme la petite sœur. Non, elle n'a pas été invitée beaucoup comme la petite sœur. Moi, la personne qui peut même te dire qu'elle est victime juste parce qu'elle est dans la même route avec l'autre, c'est la Go Argentée. Ah, la Go Galaxy. Oui, elle est victime juste parce qu'ils sont juste dans la même région. Et on la combat. Et qui met le piment en bas, c'est la petite soeur nationale.
Alors que la petite scène nationale qui a beaucoup mangé là-bas. La petite scène nationale n'est plus la bienvenue, non? Non, c'est ça qui te dit qu'elle a beaucoup mangé là-bas. Elle a donné même les lasses là-bas. À l'époque, quand elle était la Njomba de la belle-sœur de la femme la femme du pays, c'était bien. Maintenant, comme c'est fini, il faut combattre. Vous n'avez pas encore compris que dans mes lives, on ne parlait pas les noms des gens, on ne sait pas les noms de la... Toi, je suis venu écrire le nom de... Quoi là? L'ex de... Le Madame mari de Fauve. Le mari de elle ma femme. Parler, il est venu parler de ma Madame... Il a dit que Madame c'est quand... Non, je ne savais même pas que... Donc, le libérateur est revenu. Je vois seulement que Madame Veuve, et c'est comme ça qu'il est. Il peut t'insulter aujourd'hui. Il est parti chez Madame Veuve. Ma, il a filmé à l'heure de la nourriture. Ma, il peut t'insulter comme ça à cause de la nourriture. Il est parti chez Madame Veuve là-bas. Tu le vois chez toi. Il a filmé à l'heure de la nourriture. Quand Madame Veuve lui a donné la bouteille de vin. Quand Madame Veuve lui a donné la bouteille de vin, il a parlé. Maman, j'ai dit, à cause de combien? Lui là, il ne pèse pas vraiment. À cause de la nourriture. À cause de la nourriture. Je ne sais pas. Il est écrit que si aujourd'hui, demain, il est avec toi. Quand il est parti chez Madame, il a filmé à l'heure de la nuit. C'est vrai, regarde, toi, toute ta vie, c'est ça. C'est ça qui fait ta personnalité. Et c'est ça qui, comme on dit, ce que tu aimes, ce qui va finir avec toi. Ce qui va finir avec toi. Tu es quoi? Aïe. En tout cas, tu es en France, non? Ils vont te donner bien la nourriture, tu vas raconter tout et n'importe quoi et le vin comme tu es. Pourquoi il ne venait pas? Moi, je ne sais pas. Au Canada, là-bas, il était bien, non, maman? Il dit que la province, là, les gens vont lui dire à un moment, va travailler. Il ne veut pas aller travailler. Il veut l'argent facile. C'est mieux, il part où il y a beaucoup de femmes maintenant. Il serait toujours dans les Nganda là-bas avec il les même pas sur les pas ben. Il était d'abord ici en Ben. Ça n'a pas tenu. Est-ce que quoi que. Le problème, c'est que, comme disait. La baronne de Suisse, c'est la raison. Un bon artiste ne peut pas vivre ici en Ben. Non, c'est pour est-ce ça que tu qu'il as vu tous nos frères qui sont en Afrique, même comment ils sont. Je pense tout ça, ils partent toujours au pays. Ils restent. Parce que. C'est parce que c'est deux continents avec deux réalités différentes. Non, le stress, ici là même d'abord, comme il aime les petites mounas là, il tentait ça ici, il va aller encore. Ah, c'est ce que tu dis. Même les histoires qu'il aime, il savait la force de Ngala. Il ne peut pas tenter ça ici, hein. il va retourner au Ngata. C'est au pays là-bas que les enfants, quand tu vas même porter plainte, on t'appelle, on déchire la plainte devant toi parce que quelqu'un a passé un coup de fil. Je dis que tous ces gens-là, les mangent mille. Il n'y a personne qui aime la population. Que on se lève pour qui va se lever pour nous? Tout le monde là, c'est son ventre. C'est ça que les combats là. Comment t'as dit que ici c'est très froid? Le fond n'a même pas encore commencé. Et pour le moment là, on l'a tenu parce que il vient d'arriver. Quoi qu'on va, il va manger comme ça là dans toutes les maisons chaque jour. À un moment donné, on va se fatiguer de lui. Ah, lui là, c'est la gourmandise. Il vient d'arriver, on entend de lui dire que bienvenue, il croit que c'est le bienvenu là qui va dire. Il raconte les choses, non, il fait les bêtes sorties. Quand on va finir de l'utiliser, on va le jeter. Ouais, ils n'ont qu'à demander à l'autre, non, la fille doit là, comment elle s'appelle encore? C'est qui était dans leur parti, Bomaye, qu'elle est même allée en exil. Comment elle s'appelle? L'avocate là. Oui, l'avocate là, non. Elle est liée à Mbeng, non. Elle est Mbeng. Parce qu'après ça, ça s'est gâté avec sa personne. Quelqu'un qui a marié avec le pouvoir, vous lui faites confiance. Je ne comprends pas les gens. Les mêmes gens. Sa femme travaille pour le pouvoir. Les mêmes gens, ils ont mangé. Comment ça travaille toujours pour le pouvoir. Elle travaille au premier ministère là-bas, non. Elle est toujours en poste. Lui-même, il a travaillé avec eux. C'est les gens comme ça que vous faites confiance. Moi, j'aime l'ongé parce qu'il va rentrer au pays, moi, je vous dis ça. Ou comme il a gâté avec le pays, il va partir au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire. Il est chanté là-bas, il va t'envoyer la vidéo là, s'il croise encore, il dit qu'il ne rentre plus au pays. Non, on dit qu'il fait la foi, il a vu le foie. Le père est trop bipolaire. C'est ça, c'est le problème là. Un homme qui aime la culture n'est pas un homme sérieux.
Les gens ont peur du poison. Lui, il mange partout, partout, comme un porc. Il aime trop. Oh, les gens connaissent où la voix. C'est ça le problème.